Testament, c'est toi notre Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament et le seul nom que tu nous as donné par lequel nous avons la guérison et le salut, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom que le diable redoute. L'enfer tremble devant le nom de Jésus. C'est le nom qui a vaincu Satan. C'est le nom qui a vaincu la mort. C'est le nom qui a vaincu la tombe. C'est le nom qui a vaincu la maladie. C'est le nom qui a vaincu le péché. Nous t'adorons, Jésus. Tu es digne de louange. Il était dit au ciel, qui est digne de prendre le livre et d'en rompre ses sceaux? Aucun archange, aucun ange, aucun homme, aucun prophète, aucun pasteur, personne ne fut trouvé digne de prendre ce livre, de rompre ses sceaux, ni même de le regarder. Alors que Jean pleurait, l'un des vieillards lui dit, ne pleure pas Jean, car les lions de la tribu de Juda a prévalu. Et quand Jean regardait pour voir le lion, il a vu l'agneau à sept cornes. Alléluia! Oh, c'est toi, Jésus! Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous pouvons tout faire. Donne-nous, Seigneur Jésus, un moment merveilleux avec toi. Comme tu as pu fermer les lions, afin qu'ils ne puissent pas mordre ton prophète Daniel, tu es capable de fermer ma bouche, afin que je ne dise pas ce que toi tu n'as pas dit. Toi qui as ouvert la bouche de l'ânesse de Balaam, afin qu'il puisse proclamer tes oracles, tu es aussi capable d'ouvrir ma bouche. Je suis ton serviteur. Ouvre ma bouche que je ne dise que ainsi dit le Seigneur. Ta fille, ton fils et moi-même ne sommes pas venus nous promener inutilement. Nous sommes venus toucher ta grâce. Nous sommes venus t'écouter parler. Car tu as dit, mes paroles sont esprit et vie. Alors Père, laisse que cette vie qui est dans la parole puisse pénétrer nos âmes.
Que cette vie guérisse nos corps malades. Que cette vie remplisse nos cœurs du Saint-Esprit. Que cette vie bénisse et élève chacun de nous. Nous le croyons, Seigneur. Car tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Utukufu kwa Bwana Yesu. Puissiez-vous vous asseoir un moment. Muketi kwanza tafadhali. Aimez-vous Jésus de tout votre cœur. Je mnapenda Yesu kwa moyo wenu wote. Si tel est le cas, acclamez pour sa gloire. Kama ni kupiga makofi kwa jina utukufu wake. Pensez un peu à ce qu'il a fait pour vous. Tafakari kwanza kile ambacho alifanya kwa ajili yako. Réfléchissez un tout petit peu. Ufikiri kwanza kadogo. Qu'est-ce que Jésus a fait? Kile ambacho Yesu alifanya. Acclamez maintenant. Mupige makofi sasa. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Utukufu kwa mwana kondoo. Il est merveilleux. Yeye ni wa ajabu kabisa. Il est merveilleux. Ni wa ajabu. Oh, combien nous l'aimons. Marangapi tunampenda. Nous qui étions haïssables. Sembo tulikuwa tukichekelewa kutupiliwa. Sans droit de cité en Israël. Bila haki ya kurizi huko Israeli. Il a pris notre place. Akachukua nafasi yetu. Notre parent rédempteur. Yeye ndiye mzazi mkombozi wetu. Et il ne supporte pas que quelqu'un mette son sale doigt sur nous. Na avumiliake mtu fulani atie mkono wake juu yetu. Parce qu'il a versé un sang très précieux. Kwa kuwa alimwaga damu kabisa ya thamani kubwa. Il a payé un grand prix. Alilipa deni kubwa. Pour t'avoir. Kwa kukupata pour wewe. M'avoir. Kwa kunipata mimi. Le sang de Dieu lui-même. Damu ya Mungu mwenyewe. C'est plus que tout ce qu'il y a sur la terre. Iko zaidi ya yote ambayo yanapatikana duniani. Tu as la valeur de 10,000 mondes. Uko na thamani kushinda 10,000 ya ulimwengu. Quoi que le diable fasse. Haijalishi kile ambacho shetani atafanya. Kile ambacho shetani anasema. Ni ya uongo. Jésus dit qui est vrai. Ni kile ambacho Yesu anasema ndio ni kia kweli. Laissez le diable vous négliger. Mwache shetani awapuuzi. Vous avez la valeur de 10,000 mondes. Muko na samani ya ulimwengu 10. Dieu peut même déclarer les cieux en faillite pour vous. Mungu anakubali mbingu zote zianguke chini kwa ajili yako. Vous êtes son économie. Sisi ni uchumi wake. Frère, même les deux tiers d'anges s'étaient rebellés contre lui. Il les a chassés. Sans regarder. Bila kuangalia. Sans regret. Bila kujuta. Quelle que soit leur sainteté. Haijalishi utakatifu wao. Quelle que soit leur puissance. Haijalishi uweza wao. Il les a chassés. Akawafukuza. Alléluia. Amen. Et il n'est jamais parti les chercher. Na hajawahi kwenda kuwatafuta. Mais dans le jardin d'Eden. Lakini katika bustani la Edeni. Quand son fils, wakati mwana wake, notre père Adam, baba yetu Adamu, avait abandonné la parole, alipoachana na neno, au lieu que Dieu puisse maudire son fils, pali Mungu alainie mwana wake, il a maudit la terre, akalaani njo ardhi, parce que s'il maudit Adam, il s'est maudit lui-même, kwa kuwa akilainia Adamu anajilainia yeye mwenyewe, une partie de lui, ni sehemu yake, il a dit, Adam, akasema Adamu, Adam, Adamu, où es-tu, uko wapi, alléluia, amen. Il faut dire au diable tu es un menteur. Inabidi kumwambia shetani wewe ni msema uongo. Je suis fils de Dieu. Mimi ni mwana wa Mungu. Je suis fille de Dieu. Mimi niko binti wa Mungu. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Dans cet âge, il nous a envoyé un message. Katika kizazi alitumia ujumbe. Alors que le monde est dans la disette et la faim spirituelle. Wakati ulimwengu kwa katika ukame. Dieu nous a envoyé la nourriture spirituelle au temps convenable. Mungu akatuma chakula cha kiroho kwa wakati unaofaa. Nous puissions avoir beaucoup de vitamines, de protéines, beaucoup d'énergie. Tupate vitamine nyingi sana, tupate nguvu nyingi. De calories. Tupate ma kilo calories. Vous nous donnez la foi nécessaire. Et tupate imani ya kutosha. Parce que la foi d'aujourd'hui, c'est la foi de l'enlèvement. Na imani ya leo ni imani kwa ajili ya unyakulivu. Les autres âges avaient des petites fois. Vizazi vingine vilikuwa na imani ndogo. Mais aujourd'hui, lakini leo, Dieu nous a amené la foi qu'il avait quand il créait le monde. Mungu alituletea imani ni alikuwa kana alipokuwa kiumba ulimwengu. Dieu croyait à sa propre parole. Kwa kuwa Mungu alikuwa anaamini neno lake mwenyewe. Et quand il
parlait. Nalikuwa kinena. Que la lumière soit. Na nuru iwe. Et la lumière fut. Na nuru ikawa. Ainsi la parole parlait et la semence originelle. Na kwa hiyo neno lilo nenwa ndilo mbegu asili. Et c'est ça que Dieu nous a envoyé au temps de la fin. Na nile ndio Mungu alitutumia kwa wakati huu wa mwisho. Au prophète de dire. Nabii akasema. Dans le conflit entre Dieu et Satan. Shetani, la chose que Dieu nous a donnée aujourd'hui, c'est lui-même. Kitu ambacho Mungu alitupatia leo ni yeye mwenyewe. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Asante Yesu. Quoi que Satan fasse. Ajaji kile ambacho Shetani atafanya. Il a perdu. Alishapoteza. Nous sommes faits pour aller au ciel. Tumeumbika ili tuende mbinguni. Nous sommes faits pour produire les résultats du soir. Tulifanyika ili tutoe matukio ya wakati wa jioni. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana libarikiwe. Tu ne peux pas t'empêcher de ne pas croire. Hawezi zuiza kutokuamini. Quelque chose en toi. Kitu fulani ndani mwako. Ça réclame la chose. Iko nadai hicho kitu chenyewe. Dieu nous magnétise à la pierre fêtière. Mungu anavutia kupitia lile jiwe la utwiko. Alléluia. Amen. Quand Satan veut nous amener dans des bars. Satan anapotupeleka katika vilao vya pombe. Il veut nous amener dans le péché. Anapenda tupeleke ndani ya dhambi. Katika kutokuamini. La pierre nous magnétise. Lile jiwe linatuvutia. Nous répondons. Na tunajibu. À notre théophanie. Kwa théophania yetu. Je me sens religieux. Najisikia wa kidini. Quand je vois la grâce infinie. Ninapoona hiyo neema isiyokuwa na mwisho. Sans Jésus, que serais-je? Bila Yesu ningelikuwa nani? Sans Jésus, que serais-tu? Bila Yesu wewe ungelikuwa nani? Il est merveilleux. Yeye ni wa ajabu kabisa. Nilikutana na mtu mmoja akaniambia jina lake ni Yesu. Nilikutana na mtu mmoja akaniambia jina lake ni Yesu. Huyu Yesu jamani, huyu Yesu, nielezeje aliyo nitendea. Huyu Yesu jamani, huyu Yesu, nielezeje alivyo nitendea. Akanijaza na Roho Mtakatifu, akanipa nguvu ya kushinda majaribu. Akanijaza na Roho Mtakatifu, akanipa nguvu ya kushinda majaribu. Huyu Yesu jamani, huyu Yesu, nielezeje alivyo nitendea. Huyu Yesu jamani, huyu Yesu, nielezeje alivyo nitendea. Niliyempa roho yangu yote, akanipa uwezo na uzima wa milele. Hallelujah! Amen. La guérison est en train de circuler dans cette salle. Vous pouvez dire qu'on a tamba tamba kwa wakati. La même colonne de feu. Yonguzo ya moto. Circule ici. Yuko na zunguka hapa. Je te déclare guéri. Nasema mepona. Au nom de Jésus, Mujina la Yesu, reçois la réponse. Pokea jibu. Reçois la solution. Pokea suluhisho. Amen. Merci Jésus. Asante Yesu. Rien ne lui est impossible. Hakuna lisilowezekana kwake. Le véritable médecin sans frontières. Mganga wa kweli bila mipaka. Qui ne loupe jamais de diagnostic. Yeye aponyoka kabisa katika vipimo vyake. Et qui ne manque jamais de remède. Na akosake dawa.
Son nom c'est Jésus. Dieu l'a guéri. Yesu. Alléluia. Amen. C'est lui qui pardonne tes péchés. Il te guérit aussi. Na pia na kuponya. Toutes tes maladies. Na makonjwa yako yote. Amen. Merci Jésus. Asante Yesu. Il nous a envoyé frère Branham. Ali tutumia ndugu Branham. Pour nous apprendre qui nous sommes. Ili atufunze sisi ni wanani. Nous sommes des divins. Sisi ni wakiungu. Nos pieds sur terre mais nos âmes au ciel. Miguu iko duniani lakini nafsi ziko mbinguni. Alléluia. Oh merci Jésus. Je voulais répondre à quelques questions mais l'onction que j'ai maintenant là ne me le permet pas. Peuvent venir la semaine, ça serait mieux. Souvent ici, je ne vois personne la semaine. Peut-être qu'il y a des contrats. Si vous trouvez l'occasion. Comme on a pas ta force, il y a beaucoup de choses profondes que nous développons la semaine. Mambo mengi tunasema katika kilindi mwenda wiki. Que nous n'arrivons pas à dire le dimanche parce que là. Il y a tout fikia kusema katika kujumapili kwa kuwa. Des fois nous avons un auditoire mixte. Mara tunakuwa na umati ya watu ambao wanachangamana. Et nous voulons aussi montrer un peu d'hospitalité à nos visiteurs. Na tunapenda pia tuoneshe ukarimu kwa wageni wetu. N'est-ce pas? Ville. Si nous montons très très loin dans les mystères, d'autres ne comprendront pas grand-chose. Alors nous laissons conduire par le Seigneur. Mais frère Branham dit, s'il y a des murmures, kama kuna kununa nuna, beaucoup de questions, maswali mengi, souvent Dieu n'agit pas mara Mungu hatendake, parce que Dieu aime l'atmosphère correcte. Anapendaka mazingira nzuri. Vous savez, même si vous n'aimez pas le nez de la personne qui parle, hata kama upende pua ya mtu ambaye anasema, respectez seulement l'œuvre qu'il fait pour Dieu. Lakini heshimia tu kazi ambayo anatenda kwa ajili ya Mungu. Vous savez, l'homme c'est ça, l'homme regarde toujours l'apparence. Mwanadamu kila mara anaangalia tu hali ya nje. Même le prophète Samuel. Hata nabii Samuel. Il pensait que Eliab serait le plus bon roi d'Israël. Alifikiri kwamba Eliab atakuwa mfalme mzuri wa Israeli. Alors que le bon roi que Dieu avait choisi c'était le petit qui était derrière les moutons. Japo mfalme mzuri ambaye Mungu alichagua alikuwa ni mtoto mdogo. Un grand prophète comme Samuel a fait cette confusion. Nabi mkubwa kama Samuel akafanya vurugiko kama hiyo. A combien plus forte raison nous autres. Maranga bibasi sisi wengine. Alors je peux vous comprendre. Sasa naweza kuwaelewa. C'est normal. Ni kawaida. C'est humain. Ni kwa wanadamu. Le prophète nous donne une exhortation. Nabi anatupatia onyo fulani. Il dit alasema, même si vous n'aimez pas la personne, hata kama upendake ule mtu, respectez seulement la fonction qu'il remplit. Heshimia tu kazi ambayo anafanya. Pour Dieu, kwa ajili ya Mungu. Ayez une bonne attitude. Na uwe tu na hali nzuri mbele zake. Na Mungu atakubariki. Amen. Amen. Tant que c'est la parole de Dieu, dites amen. Wakati wote ni neno la Mungu, sema tu amina. Alléluia. Amen. Je crois que c'est mieux. Naamini kama ndio vizuri hivyo. Je vais juste lire quelque chose avant de commencer là. Vous savez que nous sommes en train de parler des 70 semaines de Daniel. 70 semaines de Daniel. Juma sabini za Danieli. C'est un enseignement important. Ni mafundisho ya muhimu sana. Nous l'avons déjà entendu plusieurs fois. Tulishakaisikia mara mingi. Mais plus nous répétons les choses, lakini tunaporudilia, il y a toujours des vitamines. Kunakuwa kila mara mavitamine. Est-ce que c'est parce que vous avez mangé la viande avant-hier ou le mois passé, vous ne la mangez plus aujourd'hui? Est-ce que tu mangeais déjà na ulikula nyama? Leo tena utakula nyama? Vous voyez? Ah, la parole de Dieu. Neno la Mungu. N'a pas de petite partie faible et de petite grande partie forte. Tant que c'est la parole venant de la bouche autorisée. Wakati yote na usu neno ambalo linatoka kinywani la mtu aliyeruhusiwa. Et que le prophète de Dieu l'a dit. Ambalo nabii wa Mungu alisema. Dites seulement amen. Wewe sema tu amina. Amen. Amen. Frère, même la faiblesse que vous ne saviez pas abandonner. Hata mazefu moyo hauwezi kuacha wewe mwenyewe. Écoutez seulement ce qu'a dit frère Branham. Sikia tu kile ambacho ndugu Branham alisema. Vous allez vous rendre compte que la faiblesse vous a quitté. Utajitambua kwamba madhaifu shakutoka zamani. Amen. Amen.
Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Est-ce que tu as salué ton voisin? Je ucha salimia jirani miko pembeni yako. Dis-lui que Dieu te bénisse. Et Dieu va le faire. Amen. Suivons cette petite exhortation d'abord avant de continuer. Napana kwanza hiyo ndogo mbele za kuendelea. Dans la prédication, pourquoi? Katika mahubiri, sababu gani? Prêché le mercredi 9 mars 60. Ilubira siku ya tatu tarehe 9 mwezi wa 3 mwaka 2016. N'oubliez pas que c'est l'ange qui avait dit à Frère Branham, amagazine la nourriture. Malaika alimwambia ndugu Branham, weka galani chakula. Nous ne nourrissons pas des paroles d'un homme. Hatukulake maneno za mwanadamu. Un homme n'a pas de vie à nous donner. Mwanadamu hana uzima wa kutupatia. Nous mangeons le corps parole du fils de l'homme. Tunakulaka ndio mwili neno la mwana wa Adamu. C'est Jésus-Christ. Na ni Yesu Kristo. La parole. Neno. Un prophète c'est juste un micro. Nabii yeye ni savile tu kipaza sauti. C'est le porte-parole. Yeye ni kusema tu kuna nafasi ya. Il n'a pas sa propre parole à donner. Hana maneno yake mwenyewe ya kupana. Dieu pense, le prophète parle et nous croyons. Mungu anawazaka, nabii ananena na sisi tunaamini. Parce que Dieu a dit. Kwa kuwa Mungu alisema. Amos 3:7. Katika Amos 3:7. Dieu ne fait rien. Mungu afanyake chochote. Sans révéler son secret. Bila kufunua siri yake. À ses serviteurs les prophètes. Kwa watumishi wake manabii. Et dans 2 Chroniques 20:20, Josaphat qui était spirituel, il est dit. Josaphat wa kiroho akasema, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Mutumainieni wa milele Bwana Mungu wenu. Et vous serez affermis. Na mtatiwa nguvu. Confiez-vous en ses prophètes. Na mutumainie wa nabii wake. Et vous réussirez. Na mutafaulu. Amen. Amen. Un jour, Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. Parce que le peuple voulait entendre la voix de Dieu. Quand Dieu a commencé à parler, il y a eu des tonnerres. Des éclairs. Les rochers s'effondraient. Et les cœurs voulaient quitter leur poitrine. Ils ont dit, pardon Seigneur. Ne nous parle plus comme ça. Nous risquons tous de mourir. Parle à Moïse. Et Moïse nous dira ce que tu as dit. Parce que le prophète est fabriqué d'une manière spéciale pour entrer dans les sphères que personne d'autre ne peut entrer. Et ce que les autres entendent comme tonnerre, quand le prophète l'entend, ce sont des paroles claires. Vous allez dire, mais ce sont des tonnerres. Mais le prophète, lui, il a les décodeurs. Il comprend. Il est décodeur de ce qu'on dit les tonnerres. Et il vous apporte la parole. Et là, les tonnerres grondent dans la simplicité. Alléluia! Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Ni hivyo Mungu anatendaka. Et au temps de la fin, il nous a envoyé un aigle. Na kwa wakati wa mwisho alitutumia tai. Qui est monté très haut. Alipanda juu sana. Quand il monte plus haut, il voit encore mieux. Anapopanda juu sana, ndio anaona vizuri zaidi. C'est le grand Moïse, un grand prophète, a vu seulement le commencement. Nabii mkubwa Musa aliona tu mwanzo. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Akisema hapo mwanzo Mungu kaziumba mbingu na nchi. Mais il y a eu un homme au temps de la fin. Lakini mtu mmoja kwa wakati wa mwisho. Avant le commencement, akasema mbele mwanzo iwe, quand il était encore Elohim, alipokuwa kiwa Elohim, il n'y avait rien, hakukua chochote, il n'y avait que le vide, kulikuwa tu ni utupu. Mais dans ce vide, il y avait Dieu. Lakini ndani ya utupu kulikuwa Mungu. Parce qu'il est monté plus haut. Kwa kuwa yeye alipanda juu zaidi. Et quand il monte plus haut, il voit encore mieux. Na anapopanda juu sana, ndio anaona vizuri. Alléluia. Amen. Et l'ange qui expliquait à Jean le livre d'Apocalypse. Malaika mbali alikuwa akifasiria Yohana kitabu ya Ufunuo. C'était le type de William Branham. Ilikuwa ni mfano ya William Aaron Branham. Parce que c'était une vision. Kwa kuwa ilikuwa ni ono. Un prophète voit. Nabii anaonaka.
ce qui était, kila ambacho kishapitika, kila ambacho kiko kinapitikana na kila ambacho kitakuja. Jean avait vu. Na ndio kila ambao Yohana aliona. La personne qui lui expliquait ces choses. Yule ambaye alikuwa akimfasiria hiyo mambo. C'était le messager du temps de la fin. Alikuwa ni mjumbe wa wakati wa mwisho. Le révélateur des mystères. Yule ambaye anafunua siri. Jean voulait l'adorer. Yohana alitafuta kumwabudu. Il a dit non. Akasema hapana. Ne m'adore pas. Usiniabudu. Je suis un messager comme toi. Mimi ni mjumbe kama wewe. Nous devons adorer un seul. Tunapaswa kumwabudu mmoja pekee. Yesu Kristo. Amen. Amen. Même Daniel. Hata Danieli. Avec tout ce qu'il a eu comme révélation. Pamoja na mafunuo yote ambayo alipata. Le roi païen. Mfalme mpagani. Il a érigé une statue pour qu'on puisse adorer Daniel. Akatengeneza sanamu ili waabudu Danieli. Shadrach, Meshach, Abednego ont dit pas question. Shadrach, Meshach na Abednego wakasema sisi hatuabudu. Notre frère. Yeye ni ndugu yetu. Quelle que soit les révélations qu'il a eu. Haijalishi ufunuo ambao alipata. Nous n'adorons qu'un seul Dieu. Tunamwabudu tu Mungu mmoja pekee. Et nous ici. Na sisi hapa. Nous n'adorons jamais frère Branham. Hapa hatuabudu na tuabudu kamwe ndugu Branham. Nous adorons celui qui est mort pour nous. Tunabudu yule aliyekufa kwa ajili yetu. Nous adorons Jésus Christ. Tunabudu Yesu Kristo. Car c'est lui le grand Jéhovah. Yeye ndiye Yehova mkuu. Qui est devenu un bébé. Ambaye alijifanya kuwa mtoto mchanga. La divinité qui est venue au service de la mort. Mungu kakuja kufanya kazi kwa ajili ya kifo. Afin de porter dans son corps ta maladie. Ili apate kupeleka magonjwa, dhambi zako. Ton incapacité. Hiyo kustojiweza yako. Et au Calvaire, il a dit tout est accompli. Na msalabani akasema yote imekwisha. Voilà la personne adorable. Ule ndio anapaswa kuabudiwa. Un sauveur irremplaçable. Mokozi asiyelinganishwa. Notre parent rédempteur. Mzazi mkombozi wetu. Si quelqu'un vous montre quelqu'un d'autre, kama mtu anamwacha mwingine mtu mwingine, anasema uongo. Si je viens, je dis c'est moi qui vais vous guérir, je suis menteur. Kama mimi nakuja nasema kwamba mimi nitawaponyesha, niko msema uongo. Jésus l'a déjà fait. Yesu alishakuifanya zamani. Si quelqu'un vient dit moi je vais vous sauver, c'est un menteur. Oh mienda waokoa ule murugaruga. Jésus l'a déjà fait. Yesu alishakaifanya zamani. Je sens que Jésus est en train de rire de ce que je dis. Nasikia kwamba Yesu yuko anacheka kila ambacho niko nasema. Parce que je dis la vérité. Kwa kuwa mimi nasema ukweli kabisa. Est-ce que vous le croyez? Je mnaamini. Ah, soyez bénis. Basi mubarikiwe. Amen. Oh, merci Jésus. Est-ce que vous allez vous efforcer de venir la semaine? Je mtajikaza mufike ndani ya wiki. Si Dieu vous donne l'occasion, comme Mungu anapatia hiyo fursa, parce que nous voulons vraiment aller comprendre ces choses. Tunapenda kabisa tuelewe haya mambo. C'est vraiment important. Ni muhimu kabisa. Je me laisse conduire comme ça d'abord. Najiacha kwanza niongozwe hivyo. Il dit le message rend toutes choses possibles à celui qui le croit dans sa plénitude. Ujumbe inafanya mambo yote iwezekane kwa yule ambaye anaamini, anayeamini katika utimilifu wake. Si tu crois seulement que c'est Dieu qui a parlé par ce prophète. Kama tu unaamini kama ni Mungu ndiye alinena kupitia nabii wake. Restez calme. Wewe bakia kimya tu. Le ciel vous appartient. Mbingu ni yako. Négligez même vos faiblesses. Puuzi madhaifu yako. Négligez tout. Puuzi mambo yote. Élevez Jésus. Inua tu Yesu. Dis Seigneur, sema Bwana, je ne t'ai jamais cherché. Sijawahi kukutafuta. C'est toi qui m'as cherché. Wewe ndio ulinitafutaka. Dans la prédication le signe. Katika mahubiri ile ishara. Paragraphe 191. Verset 191. Écoutez attentivement. Sikilizeni kwa makini. Peut-être qu'il fait chaud mais si pengine, vous sentez mal à l'aise, vous vous levez un peu, on est libre. Hein? Pengine kunasikia joto, kama unasikia kwamba hauendeki vizuri unashimama. On est libre dans la maison de Dieu. Tuko huru ndani ya nyumba ya Bwana. Ah. Vous pouvez me dire au diacre, en tout cas ici je ne vois pas bien. Unaweza kuambia shemasi hapa siko naona vizuri ni tena nafasi nyingine. Hapo mbele kuna nafasi. Ah, tu peux dire moi je vais être là. Unaweza kusema mimi napenda nikale pale. Sans déranger les autres. Bila kusumbua wengine. En tout cas là où on est libre c'est dans la maison de Dieu. Nyumbani mwa Bwana tunakuwa huru kabisa. Amen. Amen. Et nous sommes gentils. Na tuko wa karimu. Il n'y a pas de policiers là qui sont en train de vous dire que il doit vous donner des matraques parce que non. Hakuna polisi wa kuwasukuma sukuma hapana. Le temps du impère est passé. Wakati impère ishapita zamani. Eh, nous sommes libres dans le Seigneur. Na tuko huru ndani ya Bwana. Amen. Amen.
dans le signe. Katika mahubiri ile ishara. Mes frères, anasema ndugu zangu, mes amis, marafiki zangu, au nom de Jésus-Christ. Mujina la Yesu Kristo. Croyez cela. Muamini hiyo. Croyez cela. Muamini hiyo. Dans l'intérêt de votre âme. Kwa ajili ya faida ya nafsi yenu. Et dans l'intérêt d'autres personnes. Kwa ajili ya faida ya watu wengine. Vous n'aurez plus jamais une autre occasion. Hautapata nyingine fursa nyingine. 192. Si Dieu m'avait parlé avant la fondation du monde, quand j'étais en lui sous la forme d'une pensée, et vous aussi, s'il avait dit, dans quel âge voudrais-tu vivre, je lui aurais dit que ce serait en ce temps-ci. Le temps le plus glorieux qui soit, c'est maintenant. C'est le temps le plus glorieux. C'est le temps où je peux parler sous l'inspiration, sans imposition de main, même sans sensation. Amen. Merci Jésus. Asante Yesu. Nous voudrions voir Jésus. Tungelipenda kuonana na Yesu. 19a. Kumenachisa prêcher le dimanche 5 décembre 54. Libura Jumapili siku 5 mwezi wa 12 mwaka 2054. Le prophète nous dit ceci. Nabii anatuambia hivi. Souvenez-vous mes amis. Kumbukeni rafiki zangu. La manière dont vous vous approchez de n'importe quel don divin. Namna ambayo unajisogeza ijalusu ya kila karama ya Mungu. Ah, dites ça bien. La manière dont vous vous approchez de n'importe quel don divin. Ajalisi namna yenye unajisogeza mbele ya karama za Mungu. Ama unakaribia mbele ya karama ya Mungu. Cela déterminera ce que vous en recevrez. Ile tadhibisha kila ambacho utapokea. Si vous vous approchez correctement. Kama unajisogeza kunamna iliyo nzuri. Avec une bonne attitude. Ukiwa na hali iliyo nzuri. Devant un don de Dieu. Mbele za karama ya Mungu. Ama mbele za tunu ya Mungu. C'est un don divin. Cela déterminera ce que vous en recevrez. Ile ndio itahakikisha kile ambacho utapokea. Vous venez avec révérence. Unakuja na heshima. L'approche correcte. Unakuja na hali iliyo nzuri. Vous recevrez quelque chose. Unapokea kitu fulani. Même ce matin. Hata asubuhi ya leo. J'ai vu Dieu faire des choses merveilleuses. Niliona Mungu anafanya mambo ya ajabu kabisa. Et Dieu m'a confondu avec toute la science que j'ai étudiée. Na Mungu alinishangaza kabisa pamoja na sayansi yote ambayo nilijifunza. Il m'a prouvé que c'est lui le créateur. Alinihakikishia ya kwamba yeye ndiye muumbaji. Et j'ai fermé ma bouche. Na nikafunga kinywa changu. J'ai feuilleté des livres et des livres et des livres. Nilipekua vijitabu na vijitabu. Pour trouver comment est-ce que c'est arrivé. Kwa kuangalia namna gani ingelifika. J'ai compris. Nikaelewa. Il y a une super intelligence. Ya kwamba kuna akili iliyo juu ya yote. Alléluia! Cette super intelligence dit à la nature. Il y a qui lui a tué mambo yote kambia maombile. Toi arbre. Wewe mti. Il y a une mauvaise saison qui arrive. Ah, kuna majira mabaya ambayo yanakuja. Il faut que la sève descende dans les racines. Inabidi yo tombe ushuke katika mizizi. Qui dit ça à l'arbre? Nani anambia vile mti? J'étais à Boston, j'ai traversé toute une forêt. Nilikuwa huko Boston nikavuka katika msitu mzima. Quand je voulais visiter un peu Harvard University. Nilikuwa natembelea huko shule ya Harvard University. J'ai vu des arbres secs. Nikaona miti mikavu ya kukauka. Il y avait des collines de glace par-ci par-là. Kulikuwa mamilima ya mamaji ambayo na banana pamoja. C'était l'hiver. Ilikuwa ni wakati wa baridi sana. J'ai regardé ces arbres. Nikaangalia hizo miti. Aucune feuille. Hakuna hata jani moja. On dirait que le feu est passé. Sasa vile moto ndio ilipita hapo. Quand vous rentrez maintenant au printemps, sasa unapurudia wakati les mêmes arbres portent des feuilles et des fleurs. Iyo miti inakuwa na matawi na matunda. Qui a dit à ces arbres? Nani aliambia hiyo mti? Que l'hiver est passé. Ya kwamba wakati wa baridi sana ishapita. Et que c'est maintenant le printemps. Na ni wakati wa majira mazuri. Mais c'est Dieu. Si ni Mungu. Ah, merci Jésus. Asante Yesu.
Est-ce que Jésus ne peut pas dire à cette période que hein, ton hiver vient de passer? Je, Yesu sikwambia kumajira kwamba wakati wako wa hiver shapita. Et que c'est maintenant ton printemps? Nanjua wakati wako wa majira mazuri. Alléluia! Amen. Moi je sais que c'est ton printemps. Mimi najua kwamba njo wakati wako wa majira mazuri. Le surnaturel. Il y a juu ya maumbile. 20. Makumi mbili. C'est l'attitude des gens qui amène les résultats. Ni hali ya watu ndio analitaka matukio. C'est la raison pour laquelle à la Pentecôte. Na ndio kwa maana huko kwenye Pentecôte. Ils ont dû aller dans la chambre haute. Walipanshwa panda ndani ya chumba kilichokuu. Pour prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Ili waombe mpaka kisiro mtakatifu atakapokuja. En effet, ils étaient dans un même lieu. Walikuwa ndani na nafasi moja. Et d'un commun accord. Na walikuwa kipatana pamoja. C'est l'atmosphère qui produit des résultats. Ni hali ndio analitaka matukio. Voyez-vous cela? Je mnaamini hiyo? Que chaque comme chaque femme kila mwanaume na kila mwanamke dans ce bâtiment ndani ya chumba hii asubuhi ya leo garçon ou fille binti kijana msijana mamvulana fasse tout sortir de leur esprit aondoshe yote katika mafikara yao. Moi je le fais. Mimi naifanya kabisa. Je fais sortir tout naondoa vyote même si vous m'avez injurié hata kama nilitukana mimi naondoa hiyo ndani mwangu. Amen. Excepté le Seigneur Jésus. Isipokuwa tu Bwana Yesu. Je t'aime. Je t'aime. Nakupenda. Nakupenda. Jésus. Isipokuwa tu Yesu. C'est lui qui t'a fait du mal. Ulambale kukosea. Sors ça maintenant. Tosha ile muweye. Sors ça. Ondoa ile ndani mwako. Quel que soit ce qu'il a fait. Aje sikila ambacho alifanya. Sors ça de ton esprit. Ondoa ile katika mawazo yako. Oh, j'ai rêvé, ça doit être un sorcier. Oh, ne le lote, elle passe quoi, ne moulozi. Tosha bile mawazo yako. Quel est le sorcier qui va faire tête à ce message? Moulozi gano lambata simamisha hii ujumbe. Il cherche sa mort. Anatafuta ndio kifo yake. Ce message. Hii ujumbe. Si tout dépendait des sorciers, je ne serais plus là. Kama yote ngelambatana na walozi, kama mchungaji haiko tena. Je te dis, ils ont des cicatrices en enfer. Wako na makovu kule kuzimu. Hey. Alléluia. Amen. Le plus faible de tout chrétien, il est plus fort que Satan. Musaifu mwenye katika wa Kristo iko mwenye nguvu sana kushinda shetani. C'est un secret, ma soeur. Iyo ni siri dada zangu. Si tu es la plus faible. Kama wanjo muzaifu kushinda wote, le plus faible de tous ses frères. Wanjo muzaifu katika wandugu wote. L'enfer réuni. Uko mwenye nguvu kushinda kuzimu yote na ungana pamoja. Satan, tu as perdu. Shetani umepoteza. C'est lui qui croit ce que je dis. Ula mara mimi kila mbacho natoa kusema hapa sasa. Il a la réponse. Iko na jibu. Que chaque homme et chaque femme dans ce bâtiment, kila ce matin, garçon ou fille, fassent tout sortir de leur esprit. Wapati kuondoa vyote ndani ya mioyo yao. Excepté le Seigneur Jésus. Isipokuwa tu Bwana Yesu. Et crois qu'il est ici en cet instant même. Naamini kama iko hapa kwa hii wakati. Ah frère, moi je le sens. Ndugu mimi namuhisi. Si ceci n'est pas cela. Kama hii haiko njoo ile. Je vais m'approcher à ceci. Nitambatana kwanza na hii. Jusqu'à ce que cela arrive. Mpaka kisi ile ingine itafika. Mais ceci, lakini, c'est cela. Hii njo ile ingine. Amen. Même si quelqu'un m'écoute. Hata kama mtu fulani anasikiliza. Sur YouTube. Hata nifuata kwenye YouTube. Et qu'il a un problème. Na iko na shida fulani. N'importe lequel. Haijalishi ni shida gani. Je le déclare au nom du Seigneur. Mimi naisema mujina la Bwana. Il est guéri. Amepona. Et son problème est terminé. Na shida yake imekwisha. Amen. Le Seigneur m'a dit. Bwana Mungu aliniambia. Mon prophète se repose. Nabii wangu anapumzika. L'esprit qui était sur lui est sur toi. Lakini roho ambayo ilikuwa juu ya nabii wangu iko juu yako. Roho Mtakatifu. Je ne suis pas frère Branham. Mimi siko ndugu Branham. Et personne ne peut être successeur de frère Branham. Na hakuna wezae kuendelesha ndugu Branham. Mais l'esprit qui a gouverné cet homme est sur moi. Lakini roho ambayo ilizamini huyo mtu iko juu yangu na iko pia juu yako.
Si tu crois cela, kama tunaamini hiyo, pousse seulement un cri de joie. Piga kelele ya furaha. Vous savez? Mnajua? Il y a un secret dans cela. Kuna siri fulani ndani ya hiyo. Dieu n'avait pas dit à Israël. Mungu kwambiaka Israeli de prendre des roquettes pour jeter sur Jericho. Ikamate makombora ipigie Jericho hapana. Ils ont poussé. Walipiga kanjo kelele. Et le mur est tombé. Na bibambazi kaanguka chini. Leo hii au cri de l'épouse. Au cri de l'épouse. Kupitia kelele ya bibi harusi. Le mur tombe. Ukuta zinaanguka. Au cri de l'épouse. La stérilité tombe. Yo utasa inanguka chini. Au cri de l'épouse. Kupitia kelele ya bibi harusi. Le chômage tombe. Ukosefu wa kazi unanguka chini. Au cri de l'épouse. Kupitia kelele ya bibi harusi. La magie tombe. Yo uchawi inanguka chini. Au cri de l'épouse. Kupitia kelele ya bibi harusi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si tu pries pour quelqu'un qui n'est pas ici. Hata kama unaombea mtu ambaye haiko hapa. J'envoie cet ange. Natuma huyu malaika. Amen. Est-ce que vous savez que les anges sont à notre service? Je mnajua kama malaika wanakuwa kwa kazi yetu. J'envoie cet ange là où il y a ton problème. Natuma huyu malaika kule ambapo kuna kwa yule ambaye unaombea. Là où il y a ta femme ou ta fille. Kule kwenye binti wako mke wako kwenye iko. Là où on a bloqué ton dossier. Kule kwenye bali bloqué dossier yako. La fois passée, je priais pour un frère. Wakati uliopita nilikuwa nikiombea ndugu fulani. On faisait la remise et reprise. Walikuwa wanafanya ile kubadilishana makazi. Entre le président Félix. Kati ya président Félix. Et le président Kabila. Na rais Kabila. Le président Kabila quitte le bureau. Rais Kabila naacha mamlaka. Et il laisse le bureau à Félix. Na anaacha Félix et office. Tout est fini. Biote binaishia pale. Le frère m'appelle. Ndugu akaniita. Pasteur. Mchungaji. Mon dossier. Kesi yangu. C'est le président qui l'avait. Ni rais Kabila ndio alikuwa nayo. Il faut que tout recommence. Sasa inabidi biote bianzile tena upya. Parce qu'il a déjà fait la remise et reprise. Tu washafanya remise na reprise. Tu crois? Nikamwambia ndugu, je unaamini? Il a dit je crois. Akasema ndio mimi naamini. Notre Dieu. Mungu wetu. C'est lui qui décide qui est roi et qui ne l'est pas. Yeye ndio anamuaka na ndio mfalme na nani mwenye hata kwa mfalme. La Bible dit l'autorité vient de Biblia inasema mamlaka kutoka kwa Mungu. J'ai dit Seigneur Jésus. Nikasema Bwana Yesu. Que Kabila rentre dans le bureau. Kabila arudi ndani ya ofisi yake. Il signe d'abord le dossier de mon frère. Asaini kwanza kesi ya ndugu yangu. J'ai eu la foi dans ce que j'ai dit. Nikaamini kile ambacho nilisema. Na nikabakia kimya. Le président a fait comme s'il avait oublié. Rais akafasa vile alisahau kitu fulani katika ofisi yake. Akarudia. Il a pris ce dossier là. Akachukua hiyo kesi. Il a signé. Akaisaini kwanza. Ninawaambia ukweli mchina la Yesu Kristo. Avec ce message. Pamoja na hii ujumbe. Tout est possible. Yote yawezekana. Amen. C'est la vérité. Hier jeune frère ici, je ne sais pas s'il est venu. Kuna kijana ambaye anakuwa hapa sijui kama alikuja. L'examen d'état, tout est terminé. Examen d'état, mutiana serikali chapita, yote ilisha isha, basha proclamé. Même les fiches là, comment on appelle? Na majournal zilisha toka zamani. Ce frère a échoué. Ule ndugu alishindwa. Hakupata. Les journaux sont sortis. Majournal zilisha toka, magazeti zilatoka. Tous les journaux katosha mambo yote, majournal zilisha toka. Zero, il a ndugu alikosa, hakupata. Mais il est venu au bureau. Akakuja ndani ya office. Il avait la foi. Alikuwa na imani. Moi je ne peux rien faire. Mimi sina vya kufanya. C'est sa foi qui a agi. Ni imani yake ndio ilitendaka. Il me dit. Akaniambia. Pasteur, rappelle-toi. Mchungaji kumbuka. Au début de l'année tu m'as dit que j'aurais mon diplôme. Mwanzo yamwe kulisemeka kwamba nitapata diplome. Nikamwambia mie. J'avais dit ça. Nilisema vile. C'est vrai. Ndio ni kweli. Agenouille-toi. Piga magoti. Seigneur. Bwana. Pourquoi?
Sababu gani? Tu m'as laissé dire ça. Sababu gani uliacha niseme vile? Je donne à mon frère son diplôme. Napatia ndugu yangu diplôme yake. Pas l'année passée. Hapana mwaka kesho. Que son nom réapparaisse. Jina yake ionekane kwa majournale. Le frère est revenu avec un autre journal. Ndugu akarudia na journal ingine. Son nom est dedans. Jina yake ilishakuwa ndani. Maintenant. Na sasa hivi. Il a fini son cycle de graduation. Acha maliza gradué yake. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Kama wewe uamini, mimi naamini. Même l'impossible. Hata lisilowezekana. Devient réel. Linakuwa bayana. Amen. Merci Jésus. Faites sortir toute autre chose. Ondoa mambo yengine yote ndani yako. Gardez Jésus. Chunga tu Yesu. Si quelqu'un te fait du mal, placez Jésus entre lui et vous. Si Yesu kati yako na wewe, na yeye. Restez calme. N'obakie kimya. Ne maudissez personne. Usilainie mtu yeyote. Dis Seigneur, tu as permis ça. Sema Bwana uliruhusu ifike. Je suis ton enfant. Mimi ni mwana wako. Dans Lamentation de Jérémie 3:37, il est dit. Katika kitabu cha Yeremia 3:37 imesemekana. Qu'est-ce que ça dit? Inasema nini? Élève la voix, je sais que tu parles fort. Voilà. Lamentation 3:37. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. J'aime des gens qui retiennent la parole. Napendaka watu ambao wanasaka neno hivyo. Ça montre qu'il lit ça souvent. Amen. Sortez tout ça de votre cœur. Ondoa yote ile mambo yote ndani mwako. Ah, il m'a vraiment fait du mal, hein. Oh, alinikwaza nini? Oh, frère, ndugu. Ça peut vous empêcher d'être béni. Hiyo inaweza kukuzuiza usibarikiwe. Pardonne seulement. Oui, ça met tout. Continue ta route. Naendelesha njia yako. Adieu la vengeance. Bingine biachie Mungu alipishe kisasi. Bénissez ne maudissez jamais. Bariki yote lakini usilainie. Alléluia. Amen. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Gardez seulement Jésus, hein. Chunga tu Yesu. Sortez toutes choses excepté le Seigneur Jésus. Ondoa yote isipokuwa tu Yesu Kristo. Et crois qu'il est ici en cet instant même. Na uamini kwamba iko hapa kwa hiyo wakati. Et vous verrez. Na utaona. Et vous verrez. Na mtaona. Il se produira quelque chose qui fera l'objet de gros titres dans les journaux le matin. Kitu fulani tapitika ambacho tafanya nakili ya magazeti katika asubuhi. Ni kweli kabisa. C'est l'atmosphère. Na ni mazingira. C'est l'atmosphère qui produit les miracles. Mazingira ndio naletaka muujiza. Les prodiges. Hiyo ishara. Et la puissance de Dieu parmi les gens. Na uwezo wa Mungu miongoni mwa watu. Si Daniel. Kama Danieli. Il n'avait pas cette présence. Hangelikuwa na hiyo uwepo. Lui n'avait pas cette présence. Yeye hakukuwa na hiyo uwepo. Il n'avait même pas encore le baptême du Saint-Esprit. Hakukuwa hata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ni vile nabii anasema. Mais il avait les brochures du prophète Jérémie. Alikuwa kando na vijitabu vya nabii Yeremia. Il était fidèle à ça. Nalikuwa mwaminifu kwa hiyo. Et il avait une vie de prière. Nalikuwa na maisha ya maombi. Et il a laissé tomber les viandes sacrifiées aux idoles. Na kaacha nyama zile ambazo zinakuwa za makafara zipate kuanguka. Aucun lion ne pouvait le mordre. Na hakuna simba mungu inaweza kumluma. Avant que Jésus ne donne le sang. Mbele Yesu atoe damu. Le sang divin. Hiyo damu ya kiungu. Tous les autres là étaient couverts par le sang des animaux. Wote walikuwa chini ya damu ya manyama. Mais ils ont fait des prodiges. Lakini walifanya miujiza. Et frère Branham me dit. Na ndugu Branham anasema. Ah, je vais lire ça. Nitaisoma. C'est l'atmosphère qui produit les miracles. Mais les prodiges de la puissance de Dieu parmi les gens. C'est l'atmosphère des gens. Quand les gens en arrivent au point où ils raisonnent. Se posent des questions. Ce qui est beaucoup. Sont pensifs.
wanakuwa wenye kuwaza sana. Tout bouleversé. Na wanavurugika. Ne sachant pas où ils sont. Hawajui kwenye wanapatikana. Quand la moitié d'entre eux n'ont même pas reçu un enseignement sur les écritures. Na baadhi ya wao hawakupokea hata mafundisho kuhusu maandiko. Comment pouvez-vous vous attendre à une bonne atmosphère? Namna gani mtajikondelea kupata hali nzuri? Elle ne sera pas bonne. Kabisa haitakuwa vizuri. Il faut que les gens soient d'un commun accord. Inabidi watu wawe katika umoja. Dans un même lieu. Katika nafasi moja. Et ça soit là. Na iwe hapo. Ayant le même motif. Wakiwa na lengo moja. La même chose. Wakiwa na kitu kimoja. Alors vous allez voir quelque chose se produire. Sasa kitu fulani itapitikana. Amen. Amen. Moi je crois à ça. Mimi ninaamini hiyo. Mot à mot. Tamko kwa tamko. Est-ce que toi aussi? Oui. Je na wewe pia. Sur ta parole. Kupitia neno lako. Neno lako Bwana. Ilibiriwa huko Phoenix. Vendredi 5 mars 48. Siku ya 5 mwezi wa siku 5 mwaka wa 44. Il dit maintenant. Anasema sasa. Pour vous débarrasser de ce tourmenteur. Kwa kuweka mbali na huyu mvurugaji. Le tourmenteur. Ça peut être la maladie. Inaweza kuwa ni magonjwa. Ça peut être un problème au travail. Inaweza kuwa ni shida kwenye kazi. Inaweza kuwa ni kizuizo fulani. Dieu veut que nous puissions être élevés. Mungu anapendaka tuinuliwe. Sachez ça. Mujue hiyo. Qui aimerait que son fils soit un clochard? Nani unapenda? Nani unapenda mtoto wake akue mtu wa kulomba lomba? Jésus dit méchant comme vous l'êtes, yes, vous aimez que vos enfants aient de bonnes choses. Wabaya kisi mulivyo wanapenda watu na wapate mambo mazuri. A combien plus forte raison lui? Mara ngapi basi yeye? Ah di. Amen. Pour vous débarrasser de ce tourmenteur. Mnajua kambali na huyo mtu akuharibisha. Vous ne pouvez pas. Point point point. Awezi vous ne serez jamais sauvé. Na kamwe hamwezi kuokolewa. Et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. Na kama utapokea Roho Mtakatifu. À moins que vous croyez la parole de Dieu. Isipokuwa unaamini neno la Mungu. Et l'homme qui vous la prêche. Na mtu ambaye anakuhubiri nayo. Amen. Moi je crois la parole de Dieu. Mimi naamini neno la Mungu. Mais je ne crois pas à ses frères. Lakini mimi siamini ndani ya undugu. Alors tu as déjà raté. Sasa pale ulishaponyoka. Dieu a déjà tracé un plan. Mungu ashaweka mpango wake. Tu l'aimes, tu crois à sa parole. Unaamini neno lake na unapenda huyo mtu. Et tu me crois. Unaniamini mimi. Que c'est lui qui m'a envoyé. Ya kwamba ni yeye ndiye alinituma. Oh, tu commences à être orgueilleux. Oh, unaanza kuwa mwenye kiburi. Tu veux que je m'enorgueillisse pourquoi? Sasa unapenda nijivunie nini? Que j'ai l'orgueil pourquoi? Unapenda niwe na kiburi kwa sababu gani? La seule chose pour laquelle je suis orgueilleux. Kitu kimoja pekee kinatuma naweza kukua na kiburi. C'est Christ. Ni Kristo. Il m'a sauvé. Aliniokoa. Je n'ai pas honte de le dire. Na sina haya si ya kusema. Je suis fier bon, de ça. Kama ndio kiburi ile basi hakuna shida. Il m'a guéri. Aliniponya. Si c'est ça l'orgueil. Bon, kama ndio kiburi ile. Je suis fier de cet orgueil là. Ninafurahia kiburi kama na hiyo. Il me protège. Ananikinga. Si c'est ça l'orgueil. Kama ndio kiburi ile. J'en suis fier. Basi mimi ninafurahi. N'est-ce pas vrai? Je, si ni kweli. C'est ainsi que vous recevez la guérison et de la même façon. Na ni hivyo ndio mnapokeaka uponyaji. Maintenant là quand je prêche. Hapo kisi niko naubiri. Nasema Bwana. C'est ton serviteur. Ni mtumishi wako. Que cette onction entre dans mon cœur. Hii upa kuingia ndani ya moyo wangu. Je crois Seigneur. Naamini Bwana. C'est pas lui mais c'est toi. Haiko yeye lakini ni wewe. Dans ton cœur tu dis ça. Ndani ya moyo wako huko unasema hivyo. Au lieu de commencer à chercher les erreurs. Bali kwanza kutafuta makosa. Tu en auras. Utapata makosa za mingi. Mais la bénédiction. Lakini baraka hautapata hata kitu. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Mahali moja maabudu ambayo Mungu aliandaa. Prêcher le dimanche 28/11/65 matin. Ilibiriwa Jumapili mwezi 18 mwaka 11 mwezi 15 verset ya pili. Pendant qu'on chantait, j'étais assis là et je parlais à mon vieil ami frère Brown. Nilikuwa na keti huko na nilikuwa nikiongea na rafiki wangu wa zamani ndugu Brown. Et il a dit. Na akasema. Frère Branham. Ndugu Branham. Jusque hier. Mpaka jana. Je ne comprenais pas. Nilikuwa siyaelewa. Du tout ce dont vous parliez. Kila ambacho ulikuwa unaongea. Il a dit. Akasema. Si les gens. Kama watu. Pouvaient vraiment pénétrer ce que vous dites. Hein? Wangelizama kabisa ndani ya kilindi ya kila ambacho unasemaka. A-t-il dit. Ndio akasema. Chaque obstacle. Kila kizuizo serait ôté du chemin. Ingeliondolewa ndani ya njia. Je reprends ça. Narudilia tena hiyo.
Si les gens kama watu pouvaient vraiment pénétrer ce que vous dites, wangelingia ndani ya kilindi ya kila ambacho unasemaka, ndio huyo ndugu Brown alisema, chaque obstacle, kila kizuizo, serait ôté du chemin, kingeliondolewa ndani ya njia. C'est tout à fait vrai. Ni kweli kabisa. Frère Branham dit, c'est vrai. Ndugu Branham anasema ni kweli. C'est tout à fait vrai. Ni kweli kabisa. Si seulement vous pouviez saisir cela. Kama tumungalinasa hiyo. Si vous pouviez comprendre. Kama tumungalielewa hiyo. Voyez. Munaona. Savez. Munajua. La parole c'est le fil conducteur du courant. Neno njoe na waka masinga ya kupeleka umeme. Je suis en train de mettre le fil pour que le courant agisse. Unatia masinga ili umeme utende kazi. Aujourd'hui le diable aura Leo Shetani aura un œil rouge. Atapata jicho nyekundu. Il va regretter pourquoi il existe. Atajuta sababu gani anakuwaka. Si vous pouviez avoir les yeux ouverts. Kama mngeweza kukuwa na macho iliyo wazi. Vous verriez les démons en débandade. Mngeona mapepo kisiko zinakimbia. Le saut de Pâques. Muri wa Pasca. Alléluia. Aïe. Prêché à Phoenix. Il biliwa ku Phoenix. Le samedi 10 avril 65. Siku ya sita, siku kumi, mwezi wa ine, mwaka wa makumi sita. Le Saint-Esprit cherche aujourd'hui des cœurs honnêtes. Rom takatifu natafuta mioyo iliyoadilifu leo. Pour croire ce message. Kwa kuamini hii ujumbe. Tout ce que la Bible contient comme promesse. Hadi zote ambazo zinapatikana ndani ya Biblia. Hein, frère Philippe. Hein, ndugu Philippe. C'est la vérité, hein? Si ni kweli. Tout ce que la Bible contient comme promesse. Ahadi zote ambazo zinapatikana ndani ya Biblia est destiné au croyant. Ni kwa ajili ya muamini. Tu yote. Non non non, ça c'est grave. Hapana, hii ni hatari. Tu yote. Tu yote. Deutéronome 28. Kumbukumbu makumi mnane na makumi mbili na mnane. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, unapotii sauti ya milele Mungu wako, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, ukitimiza kanuni na agizo zake zote ambazo nakupatia leo, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Wa milele Mungu atakupatia milki juu ya mataifa yote ya ulimwengu. Je, haiko ahadi? Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Angala baraka ambazo zitakuwa juu yako. Et qui seront ton partage. Na zitakuwa pamoja na wewe. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Utakapotii sauti ya milele Mungu. Ça veut dire lorsque tu suivras le message. Ndio kusema utakapofuata ujumbe. Tu seras béni dans la ville. Utabarikiwa mjini. Et tu seras béni dans les champs. Utabarikiwa mashambani. Le fruit de tes entrailles. Iyo matunda matumbo tumbo ya uzao wako. Donc tes enfants. Manake watoto wako. Sœur, tes enfants. Dada watoto wako. Frère, tes enfants. Watoto c'est wako. C'est une promesse. Ni ahadi. Le fruit de tes entrailles. Iyo uzao ya tumbo yako. Le fruit de ton sol. Na uzao ya udongo le wako. Le fruit de tes troupeaux. Uzao wa wanyama wako. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Manyama zako za kidogo na za mkubwa. Ah, même toi qui attends de paître, c'est pas ou d'élever les porcs ou les chèvres, les vaches, uko na fuga mbuzi, ngombe, les lapins, nguruwe, les sungura, les cobayes, unafunga madende, les poules, unafuga makuku, les autres mourront, mais tes poules ne mourront pas. Na wale wengine zitakufa. C'est ce qui est dit. Ndio vile nasemekana hapa. Le fruit de ton sol. Uzao ya udongo le wako. Le fruit de tes troupeaux. Uzao ya wanyama wako. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Wanyama wako wakubwa na wadogo. Toutes ces choses seront bénies. Yale mambo yote yatabarikiwa. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Eh, unafasa kwa gongo lako nalo litabarikiwa. Tu seras béni à ton arrivée. Utabarikiwa wingi ufikapo. Et tu seras béni à ton départ. Utabarikiwa uondokapo. Chaque fois que j'entre dans un avion. Mara napungia ndani ya ndege. Moi j'ai dit tous ces gens ont la chance parce que. Nasema hao watu wote wako na neema juu mimi niko hapa. Hakutakuwa ndege kufanya ajali. Kwa kuwa mimi niko hapa. Vous savez? Mnajua? Des fois quand le diable veut faire un accident sur la route. Shetani anapofanya ajali huko barabarani. Anapokuona, il a honte.
Anasikia haya. Et ces gens-là profitent parce que toi tu es là. Haezi faire kwa sababu anajua wewe uko pale. Dans ton avenue les gens sont sécurisés parce que tu es là. Mwa venia kwa watu wanakingwa sababu wewe uko pale. Alléluia. Rappelez-vous ce que Dieu nous a montré ici. Kumbukeni kile ambacho Mungu alituonesha hapa. C'était en novembre je crois. Ilikuwa ni mwezi wa 11. 2018. Mwaka 2018. Tout le monde tremblait. Watu wote walikuwa wanatetemeka. Il y aura la guerre. Yakombea kutakuwa vita. Oh, ça marchera pas. Oh, habitaendeka. Oh, kutakuwa vita. Je me rappelle mon ami Patient est venu me voir. Nakumbuka rafiki yangu Patient alikuja kuniona. Pasteur, est-ce que je peux enlever mon argent qui est à la banque? Je mchungaji nitoshe pesa zangu zeniko kwenye banki. Il y a l'incertitude. Hakuna uhakika ya mambo. Garde ton argent. Nikasema ndugu, chunga huko pesa zako. Hakutakuwa kitu. Le Seigneur a dit. Bwana Mungu alisema. Bon serviteur. Mtumishi wangu. Les gens mourront pas parce qu'il y aura la guerre. Watu watakufa hapana juu kutakuwa vita. Ici il n'y aura pas de guerre. Hapa hakutakuwa vita. Ça sera pacifique, personne ne mourra de guerre. Kutakuwa amani, hakutakuwa vita. Personne n'en savait rien. Na kuna mwenye anajua kisimamo kuna pitika, lakini Bwana ananiambia wende waambie nayo. Je vous l'ai dit. Na nikawaambia nayo. Parmi vous beaucoup de gens sont allés au Burundi. Miongoni wengi walienda huko Burundi. Parce que ça faisait peur. Juu kulikuwa woga kabisa. Est-ce que vous avez vu cette guerre là? Je me l'aurai qu'elle vite na fanyika. Gardez ce message. Chungeni tu ujumbe. N'abandonnez pas ce message. Musiachake kamwe ujumbe. C'est notre sécurité. Jo ukingo yetu. Il veut se vanter. Anatafuta anza jitapa. Satan, quoi que tu dises. Shetani, atona sema nini. Je te vois. Niko na kuona. Merci Jésus. À santé. Tout ce que la Bible contient comme promesse. Ah, disons moi, c'est la dernière Bible. Est destiné aux croyants. Ni kwa ajili ya muamini. Psaume 103. Zaburi, Jésus l'Éternel notre Dieu, qui pardonne toutes vos iniquités, Abena, et qui guérit toutes vos maladies. Na naponyesha magonjwa yenu yote. Et ce n'est pas une promesse? Je haiko hadi. C'est la promesse. Tout ce que la Bible contient. Hadi zote ambazo zinapatikana ndani ya Biblia. Promesse. Hadi zote. Est destiné aux croyants. Ni kwa ajili ya muamini. Et quand vous l'acceptez dans sa plénitude. Na unapokubali hizo hadi katika utimilifu wazo zote. Alors Dieu sait que vous le ferez. Sasa Mungu anajua kama utaifanya. Il vous donne le certificat. Anakupatia cheti. Qui s'y rapporte. Yenye inambatana na hiyo. Alors toutes les promesses qui ont été faites sont en votre possession. Sasa hadi zote ambazo zilipewa zinakuwa zako. Et le Saint-Esprit doit vous les vivifier. Na Roho Mtakatifu anapaswa kuziwisha kuziwisha kwa ajili yako. Quelle sorte de gens devrions-nous donc être? Ni aina gani ya watu tungelipaswa kuwa? Comme c'est merveilleux! Hisi ni ajabu kabisa. De voir le glorieux Saint-Esprit de Dieu. Bona mtukufu Roho Mtakatifu wa Mungu hapa. Pour accomplir cette puissance. Akifanya hiyo uweza. Pensez-y. Mutafakari kuhusu hiyo. Pensez-y. Mufikiri kuhusu. Vous avez vu la sœur qui a sauté ici le mardi. Mulono le dalabali huko hapa siku ya 4. Son mari m'a écrit. Mume wake alinitumia ujumbe. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Mutu wa Mungu, Mungu akubariki sana. Que mon épouse a reçu. Kila ambacho mke wangu alipokea. On amène une personne. Wanaleta mtu. Deux personnes en train de la saisir, de la watu wawili wako wanamkamata. Elle ne peut pas mettre ses pieds par terre. Hawezi miguu yake chini. Faible, trop faible. Alikuwa mdhaifu sana bila nguvu. On a appelé l'homme de Galilée. Tukaita mtu wa Galilaya. Il est sorti en courant. Alitoka akipiga akitembea. Elle est montée seule. Na akapanda mungazi yeye mwenyewe. Et le jeudi elle a dansé ici. Na siku ya ine alipiga malinga hapa. Jésus est vivant. Yesu yuko hai. Amen. Elle nous a apporté une autre. Avec un AVC. Alikuwa na AVC. Les médecins comprennent ça. Waganga wanaelewa hiyo mimi nafikiri. La matière cérébrale est comprimée. Hiyo hali ya bongo ya mkichwa iko fasi moja. Le vaisseau est éclaté. Na mishipa natafuta kupasuka. Le vaisseau est éclaté dans la tête. Mishipa ilipasuka mkichwa. Alors là, sasa pale
La partie est paralysée. D'ailleurs, les deux parties paralysées. Elles ne pouvaient rouler que dans une chaise. Elles ne pouvaient même pas se courber un peu. Kukunja mugongo. On devait lui enlever le linge. Waliposha kumutosha mavazi. Lui laver. Kumunawisha. Enlever la saleté. Kutosha uchafu les yote. Les urines. Kutosha mikoyo yote. La faire manger. Kumukulisha. La laver. Kumunawisha. Quel légume? Basi ni ajabu gani? Quel légume? Ni mumea gani? Non, tu n'as pas compris. Quand quelqu'un devient, quand on dit que tu deviens une sorte de légume, donc tu ne vaux plus rien. Mutu wa bure bure, una samani yoyote. Tu es là. Uko tu pale. Tout le monde te regarde avec pitié. Kila mtu anaweza kuangalia tuna huruma tu. Et un bon médecin te dit, ah, qu'est-ce que voulez-vous, c'est un accident. Na wanasema, hii kabisa ni ajali. Accident vasculaire. Ni ajali kabisa tu. On va vous faire dekiner. Wanaweza kukupima sasa, kufanisha vipimo. On l'a amené faire plus d'un mois dans un centre de rééducation. Alifanya zaidi ya mwezi moja, lakini bila matukio yoyote. Les mêmes choses. Ni hayo tu matukio tu. Anachikoyolea. Les excréments. Anachifanya kocho kubwa. Il fallait la laver. Ilibidi kumuosha. Il fallait la nourrir. Ilibidi kumulisha. Rien ne marchait. Je viens des États-Unis. Natoka shirikisho la America. J'arrive. Nilipofika. Je vois des gens qui viennent, j'ai dit oh. Naona watu wanakuja nikasema ah. C'est tellement que là la clinique va faire entrer l'argent. Hapa kabisa hospitali tengiza franga. On va demander beaucoup d'examens. Hapa tolomba ma mitiani mingi sana ma. Tout ce qu'il faut. Vipimo mingi kwa kupata ile ambayo inahitajika. Ce sont les infirmiers qui m'apportent la personne. Waganga ni wanaletea huyo mtu. Si une chaise roulante. Wanampeleka kwenye kiti. Mimi nimesema qu'est-ce que c'est? Nikasema hii ni nini? Qu'est-ce que ça devient compliqué ça. Inakuwa ya hatari hii. Frère, ndugu, la foi vous élève. Imani inainuaka juu. Au-dessus des autres sens. Juu ya hisi zingine. C'est un super sens. Ni silio kuu. Comment un homme scientifique? Namna gani mtu wa science? Peut laisser tomber tout ce qu'il connaît. Anaweza angusha vyote ambavyo anajua kuhusu science. Est monté dans le sixième sens. Nana panda nani aisi ya sita. Je dis est-ce que tu crois? Nikamuuliza je unaamini? Je crois. Akasema nina. Et j'attendais seulement que tu arrives. Nilikuwa nachunga tu ufike. La foi était là. Imani ilikuwa hapo. J'ai prié. Nikaomba. J'ai dit Seigneur. Nikasema Bwana. Comme elle croit. Gisa naamini. Tout est possible à celui qui croit. Yote wezekana kwa yule ambaye anaamini. Elle s'est levée. Akashimama. Ils ont commencé à chercher à faire des examens. Wakaanza kutafuta kisa kufanya vipimo. Quelques temps après, wakati chache baadaye, elle sautait. Alikuwa kaanza ruka. Elle marchait. Alikuwa anatembea. Tu commences à te laver seul. Nikasema unaanza jinausha wewe peke. Oui. Akasema ndio. Amen. Elle est venue ici, elle a sauté. Akakuja hapa akaruka. Ce n'est pas une illusion. Haiko mafikara hapana. Elle est venue du Kasai. Alitoka kanjo Kasai. Oh Jésus. Oh Jésus. Mais Dieu connaît la personne. Jésus est vivant. Yesu kohai. Frère, même si je prie pour 10, il meurt. Hata kama naombea watu wa 10 na wanakufa. La 11e guérira. Mtu wa 10 na moja atapona. Et Jésus est toujours vivant. Na Yesu ko kila mara hai. Même Jésus n'a pas guéri tout le monde. Hata Yesu hakuponyeshaka watu wote. Il est venu à la piscine de Bethesda. Akafika kuisima Bethesda. Il y a eu beaucoup de malades. Kulikuwa wagonjwa wengi sana. Il a pris seulement une personne qui avait fait 38 ans. Akachukua tu mtu mmoja alikosa fanya miaka 38. Prends ton grabat. Achukua kitanda yako, godoro yako, rudia nyumbani kwako. Tous les autres sont restés là. Wengine wagonjwa wakabakia hapo. Na Yesu akajiendea zake. Merci Jésus. À santé Yesu. Oh Seigneur. Élève notre foi ce matin. Inua imani yetu asubuhi ya leo. Touche ta grâce. Tuguse neema yako. Il est le même. Ni yule yule. Il est le même. Yeye ni yule yule. Le second miracle. Muujiza ya pili. Dimanche 29/7/51 soir. Jumapili tarehe 29 mwezi wa 7 mwaka 2051 jioni. Ce que Dieu a fait avec frère Branham. Kila ambacho Mungu alifanya kupitia ndugu Branham. Dieu n'a jamais fait.
Je ne pense pas que Dieu le fera encore sur la terre. Imaginez-vous, quelqu'un prêche, il y a 11 interprètes. En 51. Durban. Frère, je suis arrivé là-bas. Il ne fera pas les Durban. C'est comme si les cheveux voulaient un peu. Je me suis imaginé ça. J'ai vu tout le terrain. On m'a montré là où on avait mis le podium de Frère Branham. Il est là. Il est là. Jesus Christ, the same yesterday. Today and forever. Il peut boire. Anaweza kunywa maji pour que 11 interprètes puissent dire ce qu'il a dit. Ili watafsiri 11 warudilie kile ambacho yashasema. Il n'a pas imposé les mains aux gens. Hakuwekiaka watu mikono hapa. Les gens ont laissé leur béquille. Watu wakaacha huko mabekie yao. Wakaacha huko maviti vya kutembelea. On a ramassé, on a rempli 7 camions. Wakakusanya yote kaanza gari 7. Il a sorti Jésus de l'histoire. Alimondoa Yesu ndani ya historia. Et il nous a dit. Na alituambia. Nous sommes les messagers de ce message. Sisi ni wajumbe wa hii ujumbe. Sortons aussi Jésus de l'histoire. Nasi pia tuondoshe Yesu ndani ya historia. Amen. Amen. Mais ne soyez pas découragés. Na musifazaike. Et ne croyez pas les symptômes. Na musiamini kwa ile mambo ambayo mko mnaona. Ça j'aime. Hiyo napendaka kabisa. Ne croyez pas les symptômes. Usiamini ile bile biko unaona les symptômes. Ndugu pana manjo anaisema. Il dit c'est le mensonge. Les symptômes c'est le mensonge du diable. Hiyo ma symptômes ni uongo wa shetani. Je prie pour toi. Ninapokuombea. Ça devient grave. Unakuwa tena hatari zaidi. Ne croyez pas à ça. Usiamini hiyo. C'est la preuve que tu es guéri. Nizirisho ya kwamba umepona. Amen. Amen. Quand on chasse un bandit de la maison. Wala pofukuza jangiri ndani ya nyumba. Il a la colère. Anasikia kasirani. Arrivé à l'extérieur, il prend. Anapofika nje na kamata libriki. Il brise une vitre. Anaipiga mudirisha. Mais il est parti. Na anajiendea yake. Le brisement de la vitre, c'est pas ça. Iyo kupasuka kwa dirisha. On va arranger ça. Bataitengeneza tena. Mais il est parti. Lakini jangira alishaenda zake. Frère Branham a dit. Ndugu Branham anasema. Si kama quelqu'un meurt. Mutu anakufa. Son corps gonfle. Mwili wake unaanza vimba. Il devient beaucoup plus gros qu'avant. Anakuwa munene kushinda kile alikuwa kambele. Cela prouve que la vie n'est plus là. Manake uzima hauko tena ndani ya hiyo mwili. Vous avez prié pour quelqu'un. Uliombea mtu. Ça devient grave. Inakuwa tena hatari zaidi. C'est le signe qu'il est guéri. Manake huyo mtu alipona. Continuez seulement à confesser. Endelesha tu kukiri. Par ses meurtrissures. Kupitia kuchubuliwa kwake. Je suis guéri. Nimepona. Par ses meurtrissures. Kuchubuliwa kwake. Je suis guéri. Nimepona. Par ses meurtrissures. Kwa kuchubuliwa kwake. Je suis guéri. Nimepona. Frère Branham parle d'un homme. Ndugu Branham anazungumzia mtu mmoja. Il est venu dans la ligne de prière. Alikuja kumustari wa maombi. Frère Branham a prié. Ndugu Branham akamuombea. Savait, il avait un grand don de discernement et de guérison. Alikuwa na karama kubwa sana kupambanua na uponyaji. Reçu par l'ange de l'Éternel. Alipokea kupitia malaika wa milele Mungu. Un don parfait. Ilikuwa ni karama kamilifu. Alléluia. Pour sortir Jésus de l'histoire. Kwa kumtosha Yesu mu historia. Il dit à ce monsieur. Akamwambia yule bwana. Tu es guéri. Ushapona. Un aveugle. Alikuwa kipofu. Tu es guéri. Umepona. Il est parti. Nakajiendea. Mais il n'a pas eu les yeux ouverts. Lakini macho yule kipofu haikufunguka. Il est parti. Akaenda. Mais il a dit que je suis guéri. Mbona alisema mimi napona? Il est rentré encore. Kipofu akarudia tena. Dans la ligne. Kumustari ya maombi. Frère Branham dit. Ndugu Branham akasema. Mais j'ai prié pour toi. Mbona nilisha kuombea? Je t'ai dit ainsi dit le Seigneur. Na nilikwambia hivi asema Bwana kama unapona. Il a compris que c'était un catholique. Kipofu kilewa Branham kilewa kwamba ni katolika. Il veut quelque chose. Na anapenda kitu fulani. Il peut tenir. Inyanaweza kugusia. Parce que là on leur apprend qu'il faut aller chapeler. Kwa kwamba anabidi kusali chapule. Alors il n'y avait rien qui pouvait l'aider. Hakukua kitu kia kumusaidia. Bon, Branham dit je vais t'aider. Ndugu Branham akasema ndakusaidia. Désormais. Tokea leo. À chaque minute. Kila dakika. Chaque moment. Kwa kila wakati. Tu vas seulement confesser ça. Wewe kwa tunarudilia tu kuna kiri. Par ses meurtrissures. Kwa kuchubuliwa kwako. Je suis guéri. Nimepona. Par ses meurtrissures. Kwa kuchubuliwa kwake. Je suis guéri.
Nimepona. Ce monsieur là vendait des journaux. Huyo bwana alikuwa anauzisha magazeti. Hey, il est là sur la route. Iko pale barabarani mkuuzisha magazeti. Avec son petit sa petite canne. Iko na kale kamutikake ka fimbo. Il a dit. Akasema édition spéciale. Hey. Édition spéciale. Édition spéciale. Édition spéciale. Les gens regardent. Watu wanaangali. Ici, les gens n'ont pas la culture de lire les journaux. Ah, bah, toi, on a tabia kusoma magazeti. J'ai vu ça à Nairobi, même les pousse-pousseurs. Ils lisent les journaux. Uko Nairobi, hata ulo akusukuma na soma ka gazeti. Nous, on n'a pas cette culture-là. Si, si, atuna ile tabia. Si tu veux cacher l'argent dans un livre, qu'on appelle fuchika pesa mukitabu, tu vas retrouver ça même 10 ans. Utaikutana ka tuingani mula tamia ka kumi baadaye. Les gens ne lisent jamais. Akula wenye wanasomaka. Alors il était là. Ça, ça quoi parler? Édition spéciale. Édition spéciale. Édition spéciale. Édition spéciale. Dit, mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur Johnny? Kuko nini bwana? Johnny. Johnny. C'est quoi? Nini iko? Par ce meurtrissure. Kwa kuchubuliwa kwake. Je suis guéri. Nimepona. On regarde ses yeux. Wana angalia macho yake. Aveugle. Angali tu kipofu. Il passe encore. Anapita tena. Édition spéciale. Anasema édition spéciale. Par ce meurtrissure. Kwa kuchubuliwa kwake. Je suis guéri. Nimepona. Les gens regardent. Watu wanaangalia. Regarde ces religions qui font des gens de dini cha mufika mpaka mwakili. Ce sont des églises à fermer. Hizi ni makanisa za kufunga hizi. Tout le monde a critiqué. Watu wote wakashimanga. Cet homme est allé chez le coiffeur. Huyo mtu akaenda kwenye kwa kinyozi. Il se met devant le miroir. Akaingia kipofu kekala mbele ya kioo. Tu vas me coiffer comme ça. Utaninyola hivi, unatengeneza hapa. Mais Johnny. Sasa Johnny lakini. Mais tu dis que tu es guéri. Mbona sema ukushapona? Oui. Ndio. Par ce meurtrissure. Kwa kuchubuliwa kwake. Je suis guéri. Nimepona. Et quand il a dit là. Na aliposema hivyo. Devant le miroir. Mbele ya kio. Macho kafunguliwa. Amen. Il a crié. Akapiga kelele. Je me vois, non? Angalia niko na jiona. Alléluia. Quand la parole est sortie. Wakati neno limetoka. Ndugu. Une parole went. Neno linalopakaliwa. Rien ne peut l'arrêter. Hakuna la kulizuiza. Rien ne peut l'arrêter. Hakuna la kulizuiza. Oh merci Jésus. Asante Yesu. Oh, j'ai déjà fait longtemps en train d'attendre, frère. Oh, ni cha famu da murefu niko na. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Prêcher le samedi 10 août 57. Ilubiriwa siku ya 6, siku 11/8/57. Plus vous attendez. Zaidi sana unangojelea. Plus le miracle sera glorieux. Zaidi muujiza itakuwa ya utukufu zaidi. Dieu vile Branham anasema. Amen. Combien ont attendu et ils ont vu? Wangapi walingojea na wakaona? Moi j'ai attendu et j'ai vu. Mimi niligojea sana na nikafikia kuona. Abraham a attendu. Ibrahimu aligonjea na akafikia kuona. Aujourd'hui, tout le monde veut parler d'Abraham. Leo watu wote wanapenda ongea kuhusu Ibrahimu. Frère Branham, même pour la création des écureuils. Ndugu Branham hata kwa umbaji ya mashindi. Il a dû attendre presque toute la journée. Alipaswa ngojea karibuni mchana yote. Le dernier écureuil paraisse. Ili shindi ya mwisho ionekane. Il a cru à ce qu'il avait dit. Aliamini ndani ya kile ambacho alisemaka. Alitafuta enda. La parole est déjà sortie. Mbona neno ilishatoka? Il est resté là. Akabakia pale. C'est ce qui nous manque souvent. Ile ndio natukosea. J'ai pris pour quelqu'un après un temps j'apprends qu'il est allé chez les féticheurs. Non mais amutu kisha wakati fulani aseme alinonana na wafumu. Tu n'as jamais cru. Haujawahi kuamini. Comment on peut consulter Baal-Zebub, le dieu de Kron? Nam na kutana kunana na Baal-Zebub Mungu wa Kron. Qui t'a dit que ce message peut être mélangé avec ces choses là? Ndani alikwambia kwamba utumeza kuchangamana na mambo kama na yale. Ça c'est moquer de Jésus. Hiyo ni kumchekelea Yesu. Je prie pour toi après un temps on t'enferme dans une chambre de prière 7 jours. Mimi na maza kukuombea kisha wakati fulani bana kufungia mchumba maombi kwa nakuombea siku 7. Qui sont en train de prier pour toi là? Wanani wale ambao kwa nakuombea. Je te dis bien mes frères et sœurs. Nawaambia vizuri ndugu na wadada. Ce que j'ai fait avec les dons. Kupitia mazoezi nilifanya pamoja na makarama. De ceux qui disent qu'ils ont des dons sont des sorcières. Baadhi wana wasema wako na makarama ni wachawi. Pa
pas tous. Hapana wote. Pas toutes. La hapana wote wanawake ama wanaume. Mais d'entre eux sont des sorciers. Baadhi ya wao ni wachawi ama walozi. Quand quelqu'un ne répète pas le message, wakati mtu arudilie ujumbe, quelle que soit la puissance qu'il produit, haijalishi uwezo ambao uko natoa, c'est satanique. Inatokana na shetani. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, toute puissance sans caractère est satanique. Uwezo wote yenye haina tabia inatokana na shetani. Et le caractère c'est Christ. Japo tabia ni Kristo. Et Christ c'est l'amour divin. Na Kristo ni upendo wa kiungu. Tu produis des miracles mais tu ne fais que maudire les gens. Unafanya miujiza lakini uko na laani ya watu. Tu produis les miracles mais tu as une vie de chien. Unafanya miujiza lakini uko na maisha ya imbwa. Tu ne fais que injurier les autres. Unafanya miujiza lakini uko na tukana watu wengine. Puissance satanique. Uko na uwezo ambao unatokana na shetani. Pensez que Satan n'a pas de lumière. Hein? Unafikiria sasa shetani hakuwa na nuru. Les dons et les appels sont sans repentance. Hiyo makarama na uito ziko bila toba. Les dons que Dieu a donné à Lucifer. Karama Mungu alipatiaka Lucifer. Dieu ne lui a pas ravi ça. Mungu akumnyanganyaka nayo. C'est un ange de lumière. Yeye ni malaika wa nuru. Oh frère, j'ai vu un ange. Oh niliona malaika ndugu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Sasa ule malaika alikwambia nini? Si ne répète pas les promesses. Kama harudilie ahadi. S'il ne parle pas comme William Branham dans cet âge. Kama aseme kisi ndugu Branham alisema ndani ya kikizazi. C'est un faux. Make ni wa uongo. Et Paul dit dans Galates. Paulo anasema ndani ya kitabu cha Galates. Dans Galates Paul dit. Ndani ya Galati usu. Même si un ange. Hata kama malaika. Vient du ciel. Amana toka mbinguni. Et qu'il annonce un autre évangile. Nana watangazia ingine injili. Celui que je vous ai déjà annoncé. Ni mimi sikuwapatia. Qu'il soit anathème. Alainiwe. Et même si moi-même je revenais. Na hata mimi kama mwenyewe Paulo nilirudia. Et que je change la parole. Na nibadilishe neno. Qu'il soit anathème. Nami pia nilainiwe. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous ne courons pas derrière les signes. Jomana tukimbie nyuma ya maishara. Ce sont les signes qui courent derrière nous. Ishara zinatufuata sisi. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront. Angalieni miujiza ambayo itafuatana. C'est ça la Bible, non? Ndio Biblia ile, haiko vile. Ce sont les miracles qui doivent nous accompagner. Miujiza ndio inapaswa kutusindikiza. Ce n'est pas nous qui devons accompagner les miracles. Hatupaswi sisi kufuatana na miujiza. Insoumise à son mari mais beaucoup de visions. Yeye hatii mume wake lakini kuna maono mengi sana. Démoniaque. Ni wa kimapepo. Sorcière. Mchawi. Tout un mois sur la montagne. Unafanya mwezi mzima juu ya mlima. Son mari se plaint là-bas. Mume wake kona nuna nuna kule. Il est intimidé, il a peur de blasphémer. Alisha ogopeshwa asikufuru. La Bible est claire. Biblia iko wazi. Ça doit être d'un commun accord. Inapaswa kuwa katika kupatana kusikilizana. Et puis rentrer encore ensemble. Unaenda kuomba alisha unarudia tena mnakuwa pamoja. Il est sur la montagne avec un monsieur. Uko pale kumulima na bwana mmoja. Il lui dit ce que son mari ne lui a jamais dit. Anakuambia benye mume wako hajawahi kukuambia. Il vient avec l'onction de l'enfer. Unakuja na upako ya kuzimu. Amen. Mais c'est la parole de Dieu. Si neno la Mungu. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Je ni ukweli. Et toi aussi laisse ta femme prier. Na wewe pia swache mke wako aombe. 1 2 3 jours par terre en train de prier pour toi, ça devient un problème. Iko na kuombea wewe inakuwa shida. Tu ne sais pas que la prière ouvre les portes. Hauchi kama maombi nafungulaka milango. Nous sommes des aigles, les deux. Sisi ni watai, tuko na mabawa mbili. Aujourd'hui, je vais montrer à ma femme. Leo ndaonesha bibi yangu. Le pasteur a dit. Mchungaji alisema. Dieu voit ton cœur. Mungu iko naona moyo wako. Plein de démons que tu es là. Uko unajaa mapepo. Insatiable. Hautoshekaki. Si au moins tu étais satisfait par ta femme. Sasa kama ungelitoshikaka na mke wako. Sois sincère. Kama unatoshikaka na mke wako. Si on commence à compter les femmes que tu as. Kama tunaanza kusabia wanawake ambao uko nao. Que tu as suivi. Ambao ulifuatana nao. Avec lesquels tu as trompé ta femme. Pamoja uliotanganya mke wako. Bukavu sera rempli. Bukavu singeliala. Vous savez, il faut que Munachua, je parte ta mission, chérie. Naenda ndani ya mission na
Mpenzi. On vous a envoyé. Ndio bali kutuma mkazini. On a une mission vraiment. Oui, kabisa mpenzi, tuko na mission. Ils sont là, ils me regardent comme ça. Wako pale na wako wananiangalia. Cette mission dont je parle ne vous concerne pas. Yambo liko nasema hii baraka haikuhusu. Tu mens. Unasema uongo. Tu vas vivre une vie de débauche. Unaendesha maisha ya zina. Et tu rentres à notre église. Na unarudia unasema sasa kanisa yetu litubariki. Amen. Blague avec Dieu, hein. Uko nacheza na Mungu. Oh Seigneur. Oh Bwana. Jéhovah des miracles. Jéhovah mwenye miujiza. Moi je crois à ce Dieu des miracles. Mimi naamini Mungu wa miujiza. Un Dieu qui peut créer aujourd'hui. Mungu ambaye anaweza kuumba leo. Un Dieu qui peut parler encore aujourd'hui. Anaweza tena kusema leo. Un Dieu qui peut dénicher les Anania et Safira. Mungu ambaye anaweza kugundua wanania na wasafira hapa. Sœur, dada. Si tu n'obéis pas à ton mari, tu n'iras pas au ciel. Kama uti mume wako hautaenda mbinguni. C'est la parole de Dieu. Inano la Mungu. Frère, si tu n'aimes pas ta femme, tu n'iras pas au ciel. Ndugu kama upende mke wako hautaenda mbinguni. Tu brises la parole. Uko na vunja neno. Le Saint-Esprit t'amène à aimer ta femme. Roho Mtakatifu nakupeleka umpende mke wako. Le Saint-Esprit t'amène à te soumettre à ton mari. Roho Mtakatifu nakupeleka umtii mume wako. C'est la parole. Ni neno la Mungu. Nous ne prenons pas une portion. Hatupendi sehemu. Nous prenons la totalité. Tunapenda yote pamoja. De la parole de Dieu. Neno la Mungu. Marie dut croire l'impossible. Maria alipaswa amini lisilowezekana. Marie dut croire l'impossible. Maria kaamini lisilowezekana. Et Dieu prend l'impossible. Na Mungu akachukua anachukua lisilowezekana. Et le rend réel. Na nalifanya liwe bayana. Ah! Quand il est pris au mot. Wakati ameshikwa kwa matamshi yake. Alléluia. L'impossible devient réel. Lisilowezekana linakuwa bayana. Quand Dieu est pris au mot. Wakati Mungu anashikwa kwa matamko yake. Le médecin peut avoir dit. Mganga anaweza kuwa alisema. Vous ne vous débarrasserez jamais de ce cancer. Kamwe hautaponaka na hii cancer. Le médecin peut avoir dit. Mganga anaweza kuwa alisema. Vous ne pourrez plus jamais marcher. Kamwe hautatembeaka tena. Eh bien. Eh bien, c'est impossible que vous y arriviez. Mais quand Dieu est pris au mot, l'impossible disparaît. Peu importe ce que le médecin dit. Celui-ci fait de son mieux. Mais Dieu est Dieu. Lakini Mungu ni Mungu. Amen. Amen. Et sa parole est juste comme lui. Neno lake ni haki kwake. Et quand vous acceptez sa parole, na unapokubali neno lake, cela règle la question pour toujours. Inamaliza swali zote. Un ami, un collègue gynécologue voulait opérer mon épouse. Rafiki yangu mganga tafuta kumpasua mke wangu. Avec une tumeur dans le sein. Alikuwa na kivimba ndani ya liziba. Avec une dureté ligneuse. Ilikuwa ni kivimba kabisa. Ah. Dureté ligneuse comme un caillou, comme une pierre. Ça faisait très mal. Elle me disait, je sens comme s'il faut qu'on enlève seulement tout le sein. Ça lui faisait manquer le sommeil. Je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? La science a commencé à passer dans la tête. Science kanza pita ndani ya kichwa. Perdre ma femme si jeune. Oh, nipotee mke wangu angali kijana hivi. Et vous savez, na mnajua, quand c'est un cancer des seins, même wakati ni cancer ya liziba, c'est comme un grain de pois. Hata kama sasa ni kama tu kapunja tu. Ça a déjà envoyé des métastases partout. Ilisha tuma mautomba mauchafu mahali pote. C'est quelque chose de sale. Ni kitu kibaya kabisa. C'est vraiment malin souvent cette histoire là. Na mara kabisa inakuwa vibaya hiyo kitu. Quand le gynécologue l'a examiné. Wakati gynécologue alimpima. Il me regarde. Akaniangalia. Kai pitié là dit mais. Akanisikilia huruma akasema. On a laissé cette histoire évoluer à ce point. Tu nous lâcher qui tu endelee mpaka kwa hiki wango. Lui-même a senti avoir peur de l'aborder. Yeye mwenyewe akaogopa kumsogelea. Parce que quand vous abordez une histoire maligne, unapoingia katika mambo kama na hiyo, c'est
Une bombe, c'est comme si vous l'amenez vite, vite à la tombe. Alors, beaucoup de médecins disent, ah, examinons d'abord ça, faisons ceci, faisons cela. Tout ça, ça montre déjà qu'il comprend les enjeux. J'ai dit, Seigneur, c'est ça donc. Chaque promesse m'appartient. Chaque chapitre. Chaque verse, ligne, chaque 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 ligne, dans votre vie est-elle digne de l'évangile? Katika mahubiri je maisha yako yanastahili injili. Jésus n'a pas d'autre main aujourd'hui. Yesu hana ingine mkono leo. À part la vôtre. Isipokuwa mkono wako. Ah, je dis, ah bon? Donc Jésus aujourd'hui n'a pas d'autre main à part la vôtre. Mungu wetu hana ingine mikono isipokuwa mikono yangu. Je prends la main de Jésus. Sasa mimi nachukua mkono wa Yesu. Pa. Nikaweka hapo. Au nom de Jésus, j'ai demandé. Sors de mon épouse. Ondoka muliziba mke wangu. On a cherché après un moment. Kisha wakati fulani wakaitafuta hiyo kansa isha toweka. J'ai donné ce témoignage à Durban. Nikatoa ile ushuhuda huko Durban. Devant les frères et sœurs. Mbele za wandugu na wadada. Une sœur a eu la foi et elle a pata imani. Je lui ai imposé les mains. Nikamwekea mkono. C'était comme le courant électrique. Ilikuwa sawa vile ni moto ya umeme. Elle a dit au pasteur. Akamwambia mchungaji. C'est le courant. Ni moto ya umeme. Je suis guéri. Ninapona. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ ni ule ule jana leo na hata milele. Frère Branham dit, quand nous voyons ces choses, ça crée à nous la foi de l'enlèvement. Inaumba ndani yetu imani kwa ajili ya unyakulivu. Amen. Amen. Serviteur de Dieu Jojo. Mtumishi wa Mungu Jojo. Laissez les gens refuser. Acha watu tu wakatae. Mais toi tu sais comment le carburant est venu. Unajua namna gani carburant ukiaka ndani ya gari. Réservoir vide. Réservoir iko haina mokitu. Juste par amour. Kwa upendo tu. Pour amener. Dieu a kupeleka. La famille d'un frère au cimetière. Jamaa ya ndugu kumaziko. Dire regarde, il n'y a pas de carburant. Unaangalia hauna mafuta ya gari. Que faire? Ukasema nifanye nini? Il regarde. Anaangalia tu mkuki ya mafuta ya gari inapanda. Mafuta macha ndani ya gari. Vous pensez que quelqu'un peut juste pour vous faire rire? On a fikiri mtu anasema juu tu wa chekeshe. Mais les larmes ont coulé de ses yeux, Seigneur. Bonne machozi lidondoka machoni pake. Qui suis-je pour que tu fasses ça pour moi? Akasema Bwana, niko nani juu nifanyie bia hivi? Moi je veux que ce message, napenda hii ujumbe, soit maintenant vécu. Iishiwe sasa, yanze kuwa ndani ya maisha. Je veux que le Dieu de la Bible, napenda Mungu wa Biblia, quitte les livres. Atoke ndani ya kitabu. Je veux que le Dieu de Frère Branham quitte les brochures. Napenda ndugu Mungu wa ndugu Branham atoke ndani ya vijitabu. Que nous soyons ces brochures. Sisi tugeuke ma vijitabu. Que nous soyons ces Bibles là. Sisi tuwe Biblia. C'est possible. Na inawezekana. C'est possible. Inawezekana. Je devais prendre mon vol pour aller aux États-Unis la fois passée. Mais je pourrais aller en Amérique America wakati uliopita. Arrivé à c'était je crois à Nairobi. Nilipofika huko Nairobi. Ils ont compliqué un peu, nous sommes allés à l'hôtel. Kulikuwa mvurugano. Arrivé à l'hôtel. Nilipofika kwenye hoteli. L'œil m'a tellement fait mal. Jicho likaniluma sana. Je sentais comme si on allait l'arracher. Nikasikia sasa vinatafuta kutoka. Je dis c'est fini. Nikasema mimi naisha. Je deviens aveugle. Mimi nakuwa kipofu. Il n'y a plus d'œil. Hakuna tena licho. Mais Seigneur. Ukasema Bwana. C'est quoi ça? Njoo nini tena hii? Hallelujah. Amen. J'étais avec maman Brigitte, j'ai dit maman. Nikona mama Brigitte, nikamwambia mama. Ça ne va pas. Licho yenyewe. Moi ici. Mi hapa. C'est fini. Inanishia. Elle a dit quoi? Akasema nini? Elle a pris sa main. Akachukua mkono wake. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Bikaisha. Elle est là. Siko pale. Qui vous a dit c'est seulement le pasteur? Na kwambia kama ni mchungaji pekee.
tout celui qui croit. Qui l'a aminié. Ça lui appartient. N'y a que. Je ne sais même plus ce qu'elle est. Si tu attends, tu quand tu dis quoi, il n'y a aucune douleur. Tu vois qu'on a tellement. C'est ce que moi j'aime. Il a donné la peine. Une église où Dieu se manifeste. Kanisa mbonda ni mwake Mungu anajidhihirisha. C'est ça l'église qui ira dans l'enlèvement. Hiyo ndio kanisa tanyakuliwa. Ndugu Branham anasema. La nouvelle reproduction du grain. Hiyo kuzaliwa upya kwa mbegu. La nouvelle reproduction du grain. Kuzaliwa upya ama kufanya tena upya kwa mbegu. Si l'arbre produit encore une autre branche. Wakati mti nazaa nyingine litawi. Ça sera comme celle de la Pentecôte. Itakuwa vile kule kwenye Pentecoste. Une église sans puissance. Kanisa, non. Lakini bila uweza alors yoyote. Ce n'est pas celle de la Pentecôte. Sasa iko kanisa la Pentecôte. Si c'est l'église de la Pentecôte, nous devons voir Dieu. Kama ni kanisa la Pentecôte, tunapaswa kuona Mungu. Dans ta maison. Ndani ya nyumba yako. Tu réunis tes enfants. Unakusanya watoto wako. Tu mets ta Bible là-bas. Unatia hapo Biblia yako. Tu lis même un psaume. Unasoma hata Zaburi. Tu appelles Jésus. Unaita Yesu. Un frère. Ndugu moya. Dans ce message, ndani ya hii ujumbe, Dieu l'a repris. Mungu ashamchukua. Qu'est-ce qu'il avait fait? Alifanya nini? Il a dit Seigneur. Akasema Bwana. Je sens le bruit d'un voleur à l'extérieur. Nasikia kelele za mwizi huko nje. Je ne sors pas. Sitaondoka nyumbani. Mais toi qui gardes ma maison? Wambo nachunga nyumbani yangu, nyumba yangu. Allez. Je vais le rencontrer demain matin. Mimi napenda nimkutane kesho asubuhi. Le coup de collé. Asha tiliwa nyembese. Et le matin, les coudes étaient comme ça. Na asubuhi alikuwa na bananishwa mikono yake. Qu'est-ce que tu faisais là? Ulikuwa na fali ni pale. Nilikuwa hiva. Pardon. Munisame. Ok, partez. Je libère tes coudes. Je libère tes coudes. Je libère tes mains. Nafungua mikono yako. Allez, vas-y. Wende zako. Ne continue plus. Usiendeleshe tena kuiba. Frère. Ndugu. Jésus est vivant. Yesu iko hai. Il suffit de croire. Inatosha tu kuamini. Vous savez que la foi c'est un sens. Imani ni hisi. Les yeux. Macho. C'est un sens. Nice. Le toucher, c'est un sens. Kukusa, nice. L'odorat, c'est un sens. Kunusa, nice. L'ouïe, c'est un sens. Kusikia, nice. N'est-ce pas? C'est une ville. Le goût, c'est un sens. Kuonja, nice. Mais la foi aussi. Lakini pia imani. C'est un sens aussi réel que les yeux. Nayo ni hisi, bayana sa vile tu zile zingine. C'est un sens aussi réel que le toucher. Ni hisi, bayana sa vile tu kukusa. Je ne sais pas si vous saisissez cela. Si Dieu comme mon achika, mon anasa hiyo kabisa. Elle vient de ce que l'on entend. Na imani nakuja kwa kila ambacho unasikia. Ce que l'on entend de la parole de Christ. Kila ambacho unasikia toka maneno ya Kristo. C'est-à-dire maintenant là je vous communique la foi. Manake hapa sasa niko na wapatia imani. Niko na wasukumia imani. Vous allez faire des choses impossibles en sortant. Mutafanya mambo isiyowezekana mtakapoondoka hapa. Qui croit à cela? Nani anaamini ile? Qui croit à cela? Nani anaamini hiyo? Là où je pense les pentecôtistes ont failli. Panapo nafikiri wa Pentecost walifeli. Paragraphe 14. Verset 14. Et jamais Dieu. Na kamwe Mungu. Vous ne pourrez jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu envers vous. Hawezi kamwe kumaliza uwezo na marehema za Mungu kwa ajili yako. Alléluia. Quand je prie, je dis Seigneur. Ninapoomba ninasema Bwana. À cause de mes faiblesses. Kwa ajili ya madhaifu yangu. Peut-être que j'ai déjà épuisé ta miséricorde. Pengine nishamaliza rehema yako. Mais ta grâce est encore infinie. Lakini neema yako haimalizikake. Je n'ai pas encore touché ta grâce. Mimi siagusa ku neema yako. Si la miséricorde est épuisée. Kama rehema ishamalizika. Le dépôt de la grâce est encore. Lakini gala ya neema ikingaliki pale. Ni la miséricorde ni la grâce, rien ne peut se terminer. Japo wala rehema na neema hakuna kinaweza kumalizika. Démon, intimidez-moi maintenant. Ça s'appelle pour nous gopécher, basse. Si vous êtes fort. Comment qu'on engouffe. Sachez qui vous êtes. Dueni wewe ni nani. Tu n'es pas n'importe qui. Hauko aizuru mtu gani. Frère. Ndugu. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Sema, je ne suis pas n'importe qui. Ma soeur dit, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui.
Là, le diable, il en a. Il a un coup dans l'œil. Pale shetani anapata ngumi ndani ya jicho. On va voir, on va la voir. Tutaona sasa. Vous perdez le temps. On a poteza wakati. Vous perdez le temps. On a poteza wakati. On ne peut pas vous enlever la vie tant que Dieu ne l'a pas dit. Est-ce que kondolea maisha kama Mungu hayaisema? Est-ce que tu sais combien de fois tu as mangé le poison? On a déjà mangé pour chaque la sumu. Tout est devenu vitamine. Il est sumu kageuka vitamine mumwili. Satan ne peut rien faire. Satan n'y a rien à faire. Il tue les enfants. Il pense qu'il a tué les libérateurs. Celui qui devait libérer Israël. Ou l'angeposha kombo à Israël. Dieu a placé Moïse sous son nez. Mungu katia Musa chini alipua yake. Il a perdu l'argent pour le faire étudier. Akatumikisha pesa juu amsomeshe. Il était son meilleur ami. Alikuwa rafiki yake mwaminifu kabisa. Mais sachant pas que c'est lui qui allait le détruire. Bila kujua kwamba yeye atamwangamiza kesho. Il ne connaît rien ce type là. Satan n'a joué chochote. Que Dieu soit glorifié. Bwana Mungu atukuzwe. Que Dieu bénisse mon épouse. Mungu abariki sana mke wangu. Parce que le jeudi, kwa kwa siku ya ine, il y avait une très forte onction sur moi. Nilikuwa na upako kubwa sana juu yangu. Je n'ai même pas su prendre la main pour mettre dans la bouche. Sikuweza hata chukua hata mkono kwa kukula. Et là, amené la nourriture, là, commence à me faire. Akanita chakula kanza kunikulisha. Sa vile mutoto. Je dis, oh merci Jésus. Nikasema sante Yesu. Avoir une telle épouse. Kuwa na mke kama huyu. C'est la grâce. Ni neema ya Mungu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Maudit soit celui qui te maudira. Mwenye kulaani na laaniwe. Maudit soit celui qui te bénira. Mwenye kubariki na abarikiwe. Vous ne pouvez jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu envers vous. Hamuweze kamwe kumaliza neema na rehema za Mungu kwa ajili yenu. Est-ce que tu peux épuiser ça? Je unaweza kuimaliza kabisa. Vous dites eh bien. Unasema ebu. Je n'aime pas trop te déranger. Mimi sipendi kukusumbua baba. Il veut être dérangé ainsi. Anapenda asumbuliwe hivyo. Ne pensez jamais que vous pourriez demander trop à Dieu. Usifikiri kama unaweza kuomba Mungu sana. C'est ça le problème que vous avez. Ndio shida yetu konayo. La Bible dit. Biblia nasema. Fais de l'Éternel tes délices. Umufanye Bwana chukue nafasi ya kwanza moyoni mwako. Il te donnera ce que ton cœur. Atakupata kile ambacho moyo wako unahitaji. C'est une promesse. Ni ahadi. Toi ta foi s'arrête à $50. Wewe imani yako inasimamia ku dola 50. Dieu va exaucer ça. Mungu atajibia hiyo imani yako. Ça me rappelle le témoignage de frère Lifoko. Inanikumbusha ushuhuda ndugu Lifoko. Dans son église. Katika kanisa lake. Un frère vient devant la chaire. Ndugu mwana kia pale kwenye mibari. En train de prier. Iko naomba. Un autre à côté. Na mwingine iko pale pembeni yake naye iko naomba. Nasema Bwana. $100 Seigneur. Nipatie tu $100 Bwana. Le frère a trouvé que l'autre dérangé. Ndio asema ule ndugu mwingine iko na musumu. Moi je cherche des millions. Ami anapenda mamilioni. Mes affaires continuent. Ili biashara yangu bisonge mbele. Ce type dérange avec les $100. Iko nanisumbua na $100. Je vais exaucer sa prière. Acha nijibie maombi yake. Sasa. Kamata $100. Laissez-moi la place maintenant. Niache niombe. Akapiga magoti. Akainua mikono. Fede l'Éternel te délice. Mufanye Bwana awe kitu cha zamani moyoni mwako. Atakupata kile ambacho moyo wako unahitaji. Kama uko na shauku nzuri. Bon motif. Malengo nzuri. Dieu accomplira cela. Mungu atatimiza hiyo. Et tu ne mourras pas. Na hautakufa. Avant d'avoir saisi cela. Mbele ya kushika hiyo. Pourquoi Dieu a fait de toi un médecin? Dieu ne kufanya uwe mganga. Pourquoi? Jua nini? Pourquoi tu souffres? Juu teseke. Frère, il y a un médecin qui m'a rendu un peu. Kuna mganga ambaye alifanya. J'étais surpris. Nilishangaa. Comment quelqu'un qui ne croit pas au message? Namna gani mtu mwenye aamini ujumbe za kusema kama nani? J'arrive au Cape Town. Nafika huko Cape Town. Le médecin qui vient me chercher. Mganga ambaye alikuja kunitafuta. Il a une jeep. Alikuwa na jeep yake. Aucun blanc n'avait. Yenye hakuna hata mzungu mwenye alikuwa nayo. Lui il est congolais. Yeye ni mkongomani. Et il vient me chercher. Na nakuja kunitafuta. Je vois comment il est. Mimi namwangalia kisi iko. Me fait j'entre dans le véhicule. Na mimi naingia mgari. Je regarde. Mimi naangalia. Je dis mais docteur. Nasema docteur. Comment tu peux avoir un truc comme ça? Hani unaweza kuwa na gari ya hivi.
Il dit, mon frère, on a fait de très longues études. Est-ce que c'est pour vivre misérablement? Frère, ça m'a révolté. J'ai dit, oh, ce type ne croit pas au message que je crois. Mais regarde comment il est positif. Mais regarde comment il est positif. Oh Seigneur, même si tu me donnes les kabuchungu. Oh, voilà, tu n'as pas tant d'accord à Léo. D'accord. Tu auras les kabuchungu. Ou t'as pas tellement d'accord au Konalomba. Il exauce toujours la prière. Pourquoi mon gouyana tibiaka tout maombi? Quand je mange ma vache, ne vient pas menacer. Ça me dit qu'on a pequé nyanya ma yangombe, on est l'chinja, ou ce que t'as fait un problème. Amen. C'est pour réveiller qui dormait là. Ni tu as coulé mousse la balle, quoi, là, là. Mais c'est la vérité. Lakini ni kweli hata hivi. C'est la vérité. Ni kweli kabisa. C'est la vérité. Ni kweli. Frère Branham avait des brebis. Ndugu Branham alikuwa na makondo. Des chercheurs. Wale wakutafanya wakufanya utafiti. Il fait la recherche. Wanafanya utafiti. Il trouve la formule pour guérir l'arthrite. Wanapana wanapata formula kuponesha magonjwa. Government anapana mafranga mingi. Des millions. Des millions, mamilioni. Et il a soutenu l'œuvre de Dieu. Na wakashikilia kazi ya Mungu. Pourquoi pas ici? Sababu gani hapa? Pourquoi pas ici? Sababu gani hapa? Un autre, Shakarian. Mwingine Shakarian. Dieu lui révèle. Mungu anamfunulia. Le puits de pétrole. Chimu ya pétrole, ya mafuta. L'or noir. Iyo zahabu nyeusi. Frère du message. Ndugu wa mwai ujumbe. S'il donne sa dîme d'un million de dollars, où est le problème? Sasa kama anapana chukumi yake ya milioni moja ya dola, shida iko wapi? Tellement que vous êtes habitué aux miettes, vous pensez que Dieu ne donne que des miettes. On a pas qu'à te parler de machenga tout. Moi, je vais vous enlever cet esprit. Mienda ondo amwele marosa file. Mon Dieu à moi n'est pas pauvre. Mungu wangu haiko maskini hapana. C'est lui qui est capable de me donner le Saint-Esprit. Na shahada kunipatia Roho Mtakatifu. Il peut aussi me donner des avions. Anaweza pia kunipatia mandege. Amen. N'est-ce pas mon ami? J'ai eu rafiki yangu. Il a eu un rêve. Alipata ndoto. Il est venu me parler. Alikia kuniongelesha nayo. Akasema, dans mon rêve, ndoto yangu, j'ai dit, je vais mettre des escalators jusqu'au-dessus. Nikasema ndatia mamungazi mpaka. Et je vais construire des parkings. Na ndajenga nafasi ya kusimamisha magari. Akachukua ine eneo yote. Acheté par son argent. Alinunua kupitia pesa zake. Ile ni pasteur, je ne comprends pas. Pasteur, nililota hivi. Je continue à croire. Nikasema endelea kuamini hiyo. Ah, pasteur, tu exagères. Ah, pasteur, kabisa, on a pitisha kipimo. L'enlèvement va bientôt avoir lieu. Bwana unyakulivu karibuni hapa itafika. Ndugu Branham anasema, vivez comme s'il venait aujourd'hui. Ici sa vie Yesu atakuja kesho. Faites vos projets comme s'il y avait encore 1000 ans. Lakini fanya miradi yenu sa vie atakuwa kuna kwa mnyaka 1000. Les gens ont commencé à vendre leur maison. Watu wakaanza kuuza nyumba. Oh Yesu atakuya, Yesu anatakuya. Il n'est pas venu, ils ont rétrogradé. Yesu akukiaka wakarudia nyuma. Hallelujah! Amen. Il viendra. Atakuja. À son temps. Kwa wakati wake. Amen. Aujourd'hui, Léo. Même si je sais qu'il vient au soir, on m'appelle chiyone. Pour que je puisse opérer quelqu'un. Je vais y aller. Vivez comme s'il va venir aujourd'hui. Si vile atakuja leo. Mais faites vos projets comme s'il y avait encore 1000 ans. Lakini mufanye mipango yenu sasa vile kungaliki miaka 1000. C'est le prophète. Ni nabii ndo anaisema. Il ne veut pas travailler, il ne fait que lire les brochures. On a bien tout parlé à Outumi, qu'on a somme à tout ma brochure. Et les enfants meurent de faim. Là-bas, tout le monde a coupé la chair. Un démon, frère. Où qu'on a peur, Pondou. Un homme normal. Mwanaume cherche à améliorer sa condition. Ana penda ka boreshe hali yake ya kuwa. C'est le prophète. Na ni nabii pia ndio anasema. Le paresseux n'ira pas au ciel. Mufifu ataenda mbinguni. Ça change. Ah, mina batilika. Les amens diminuent. Ma mina zinapunguka. Amen.
Ne vous en faites pas. Musijali. Je ne vais pas arriver à 15h. Sitafika à 12h j'arrête. Sasa sita mimi na mali la maliza. Nashimamisha. Sentez-vous à l'aise. Mujisikie starehe. Ne pensez pas que vous pourriez demander trop à Dieu. Musifikira kama mnaweza kumuomba Mungu sana. Je crois que l'écriture dit. Naamini kama andiko linasema. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Hamupokei ni kwa sababu hamuombi. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Na muombe ni kwa sababu hamuamini. Il veut que vous demandiez, que nous demandions. Anapenda et que nous croyons na tuamini, pour que notre joie soit parfaite. Ili furaha yetu ikuwe kamilifu. Dieu veut que notre joie soit parfaite. Mungu anapenda furaha yetu ikuwe kamilifu. Celui qui n'a pas mangé, ule mwenye hakukula, il est nerveux. Anakuwa bisirani sana. Il regarde Joseph avec. Anangala Joseph kisa na sapé. Turquoise. Anavala kekoti ya Turquie. Chana za muangala kijicho. Tu iras en enfer. Utaenda mukuzimu. J'avais un prof qui me disait. Nilikuwa na mwalimu alikuwa ananiambia. Docteur Kanku. Docteur Kam. Il me disait. Alikuwa ananiambia. Mes enfants. Batoto yangu. Fuyez la pauvreté. Mukimbie umaskini. Les pauvres iront en enfer. Maskini ataenda mukuzimu. Ça nous faisait rire. Quand sana, j'ai lu le prophète, il dit yo. Même Salomon a dit à Ata Dieu, si Mungu, tu ne me donnes pas, kama unipatie, je vais te maudire. Kulaini, si tu me donnes trop, unipatie bia mingi, je risque de t'oublier. Dieu a exaucé. Mungu akajibia pia. Donne-moi ce qu'il me faut. Unipatie bia ni stahili. Écoutez, il veut que vous demandiez beaucoup. Ana pena muombe sana. Demandez de grandes choses. Muombe mambo mengi, mambo makubwa. Est-ce qu'il a dit demander de petites choses? Jasema tuombe mambo madogo madogo. De grandes mambo le makubwa. Le Saint-Esprit, c'est une grande chose. Roho Mtakatifu ni kitu kikubwa. Les gens ne croient que quand c'est spirituel. Watu wanaamini tu wakati ni biakiro. Quand c'est l'argent. Wakati na usu pesa. Banarudia nyuma wanaogopa. Que sa volonté soit faite. Mapenzi yako ifanyike. Tu ne crois pas. Wewe hauamini tu. Que sa volonté soit faite. Oh, mapenzi yako ifanyike. Quand tu regardes le, derrière cela. Sona po angala nyuma ya hiyo wazo. Il n'a pas de foi. Hana njo imani. J'attends ton jet pour que j'aille prêcher. Niko nachunga jet yako tunende nihubiri. Comment on doit nous confondre avec les gens qui sont en fait, avec des sueurs et watatuchanganisha na watu. Allez, première classe avec ma. Na watu kutoka mayasho. Kuna nafasi ya kwanza. Je crois moi ça. Mimi napaswa kuona hiyo. Continuons. Ne limitez pas votre foi à quelques petites graines de moutarde. Usitilie imani yako mipaka kumapunja ndogo ndogo ya radari. A une autre sorte de foi. Hapa kuna chuku kingine kiwango cha imani. Et entrez dans de grandes choses. Na uingie katika mambo makubwa. Demandez. Ombeni. Les grandes choses sont tout aussi faciles à recevoir. Mambo makubwa pia nayo yanapatikana. Que les petites choses. Sasa vile mambo madogo. Vous n'avez qu'à croire. Wewe ni kuamini tu inatosha. Na njo basi. Et si vous avez la foi. Na kama uko na imani. Et que vous savez vraiment l'utiliser correctement. Na unajua kabisa kuitumikisha ipasavyo. Ça ira très bien. Mambo itaendeka vizuri kabisa. Vous n'avez qu'à mettre cela à l'œuvre. Wewe utie tu ndani ya kazi. Et ça marchera tout simplement. Na itaendeka kabisa vizuri. Combien qui croient cela? Wangapi wanaamini hiyo? Combien qui croient cela? Wangapi wanaamini hiyo? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec cette onction, upako, je ne vois pas quelle trompe qui va rester bouchée. Missione trompe tabaki tena nafungana. Je ne vois pas. Missione. La vie est ici. Maisha, uzima uko hapa. La vie est là. Uzima uko hapa. Lou
Luke et life on dit quoi? Luke na life walisema kanini? Luke veut dire regardez. Luke manake angalia. Life veut dire la vie. Life manake c'est uzima. C'est son Dieu qui a pris cette image. Quand Jésus regardait comme ça. Wakati Yesu alipokuwa akiangalia hivi. Son prophète était sur la terre. Nabii alikuwa duniani. Il nous a amené le livre. Akatuletea kitabu. Les promesses. Ahadi. Nos droits légitimes. Hizo haki zetu zilizo halali. Shalom. Akasema shalom. Shalom. Amani kwenu. Shalom. Amani kwenu. Je sens le Saint-Esprit. Nina ici, Rome takatif. Quand il est là, je sens comme si ma bouche devient grande comme ça. Wakati kopa na sika safele kinyo changu tunakuwa kubwa. Il est là. Iko hapa. Alléluia. Amen. L'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Kustofeli kwa neno lilo neno la Mungu. Prêché à Chicago. Yulubiriwa kwa Chicago. Aux États-Unis. Écoutez la bouche de Dieu. Sikilizeni kinywa cha Mungu. Vous savez, je disais aux jeunes gens tout à l'heure. Nilikuwa naambia wa vijana hapa muda unaopita. En disant ici. Je disais qu'il nous fallait toujours être heureux. Nilisema inatubidi tuwe kila mara wenye furaha. Wenye heri. Dieu ne veut pas que vous soyez triste. Mungu hapendi uwe wa kasirani. Wa huzuni. Dieu ne veut pas que vous soyez triste. Mungu apende uwe na huzuni. Ton fils n'a pas mangé, tu veux Toto que tu puisses rire. Tu unapenda anze cheka. Dieu ne veut pas. Mungu hapendi que vous soyez triste. Uwe na kasirani. Savez-vous ce que provoque la mauvaise humeur? Unaona kile ambacho kinaletaka hali mbaya? Et ce drôle d'humeur? Na hiyo mahali zibaya. C'est l'une des vilaines choses. Ni moja wapo wa mambo mabaya. Elle est à 60% à peu près à la base de toute maladie. Iko asilimia 60 chanzo ya magonjwa mama. Oui, magonjwa yote ndio. C'est crise de colère que vous piquez. Iyo kanda kasirani ambayo mnakuwa nayo. Vous ne faites que développer un cancer. Uko tunafanya tu cancer iko ndani mwako. Un ulcère. Iyo cancer. Ou quelque chose comme ça. Ama kitu fulani kama hiyo. En faisant cela. Unapofanya hivi. Quand vous vous mettez dans tous vos états. Unapojitoa katika hali yako zidi ya mtu fulani. En disant. Ukisema je ne rentrerai plus là. Mister Udiaka tena kwa. Qu'il attende. Achunge tu. Je vais lui dire les quatre vérités. Nitamwambia kweli. Très bien. Vizuri. Rappelez-vous. Kumbukeni. C'est vous qui allez payer pour ça. Wewe utalipa ile. Soyez donc toujours heureux. Basi kila mara uwe wenye furaha. Ah, merci Jésus pour frère Branham. Asante Mungu kwa ajili ya ndugu Branham. L'attitude de qui est Dieu? Hali ya Mungu ni nani? Ah, le frère Philippe aime beaucoup cette citation. Ndugu Philippe anapenda sana hii tamshi. Paragraphe 35, qui dit verset 40, anasema, comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici, nagisi uvuvio wa Roho Mtakatifu uko hapa, pour vous inspirer, kwa kutuvuvia, rappelez-vous, basi kumbukeni, Dieu amènera, Mungu atapeleka, votre corps, mwili wako, à obéir, kutii, à votre confession, kutii kukiri kwako, Dieu, Mungu, amènera, atapeleka, votre mwili wako a obéir utii à votre confession kwa kukiri kwako. Si vous dites que vous êtes un soulard unaposema ya kwamba wewe ni mlevi et que vous vouliez boire na ungelipenda kukunywa pombe ne vous en faites pas basi usijali vous allez bientôt en être un. Karibuni hapa tu utakuwa mlevi. Si vous dites kama unasema que vous êtes un pécheur ya kwamba uko mtenda zambi et que vous vouliez pécher kesho unapenda vous tenda zambi vous retrouverez dedans sans faute utajikutana humo bila shida yoyote. Si vous dites que vous êtes un chrétien kama unasema eti wewe ni mkristo et que vous croyez cela tout le temps. Na kama unaamini hiyo kila wakati. Dieu amènera. Mungu atapeleka. Votre témoignage. Atapeleka ushuhuda wako. Vous amènera droit à cette chose. Ushuhuda wako utakupeleka droit kwa hicho kitu. Si vous croyez dans la guérison. Kama unaamini ndani ya uponyaji. Et que vous croyez que Dieu vous a guéri. Na unaamini kwamba Mungu alishakuponya. Confessez cela. Wekiri tu ile. Alors Dieu. Sasa Mungu. Amènera votre corps. Atapeleka mwili wako. À obéir à votre
concession. Car il est le souverain sacrificateur de votre confession. Il est maintenant assis à la droite du Père avec son propre sang pour faire l'intercession pour chaque confession basée sur tout ce que tout ce pourquoi il est mort. Tout ce pourquoi il est mort m'appartient. Ne regardez pas tes faiblesses. Frère Branham me dit, le juste, ce n'est pas celui qui ne commet pas d'erreur. Le juste, c'est celui qui confesse tous les jours ses péchés auprès du juste. Là aussi le diable a un coup. Pale pia jitana na pata ngumi. Alléluia. Amen. Je suis juste. Niko mwenye haki. Parce que je confesse mes fautes. Kwa kuwa nakiri makosa yangu. Auprès du juste. Mbele za yule aliye haki. Tu es juste. Wewe uko mwenye haki. Tu confesses tes fautes. Kwa kuwa nakiri makosa yako. Mbele za yule aliye haki. Et dans Jacques 5:14. Na katika Yakobo 5:15. La prière du juste est efficace. Maombi ya mwenye haki iko na tukio zuri. Wow! Merci Jésus. À santé Jésus. Le diable a perdu. Shetani ana poteza. Jésus a gagné. Na Yesu anawina. La loi. Torati. Paragraphe 18. Verset 18. Je suis en train de vous inoculer la foi. Niko na badon via imani. Maintenant, sasa, Paul parle ici de la vallée. Paul en zunguza pa kuhusu bonde. Ou plutôt de l'ombre de la loi. Aokusile étant une ombre de l'avenir. Na wakati ne pouvait nullement rendre parfait celui qui rend ce culte. Ingeposha tukumfanya kamilifu lamba analeta ibada. Ensuite, na kisha, il poursuit. Anaendelesha kazi. Pour montrer ce que la perfection. Kwa kuonesha kamilifu ni nini? Eh bien, Ebu. C'est étrange hein? Que les gens aient trop souvent de telles pensées. Ils disent, eh bien, je suis faible. Ebu, mimi niko muzaifu. Je n'ai pas une grande foi. Mi sina imani kubwa. Je ne suis pas un très bon chrétien. Mimi misiko mukristo mzuri sana. C'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. Ile ndio shetani anapenda useme. À ce moment-là, vous parlez son langage. Kwa hiyo wakati unasema usemi wa shetani. Voyez-vous? Je mnaona? Vous ne devriez jamais dire ça. Haupashwe kamwe kusema hivyo. Ne laissez jamais votre témoignage être négatif. Usiache kamwe ushuhuda wako unaharibika. Qu'il soit toujours positif. Kila mara ushuhuda wako uwe nzuri. Je suis sauvé. Nimeokolewa. Dieu est dans mon cœur. Mungu iko ndani ya moyo wangu. Je crois en lui. Naamini ndani mwake. De tout mon cœur. Kwa moyo wangu wote. Croyez-vous dans la guérison divine? Si vous n'aimez pas notre voix qui ungu, de tout mon cœur, moi wangu wote, que tout le temps, wakati wote, votre témoignage, ushuhuda wako, et vos pensées, na mawazo ya tout, yote, ne laissez jamais des pensées négatives entrer dans votre esprit. Usiache mawazo mabaya na ingie katika roho yako. Si cela vous est possible. Kama ile inawezekana kwako. Quand ça commence. Wakati mawazo mabaya yanaanza kuja. N'entretenez pas cela. Usipalilie. Alléluia. Alléluia. Eh bien, vous direz, et butasema, je ne peux pas empêcher les pensées. Que kuwaza. Les pensées viennent. Eh bien, mawazo inapokuja. C'est comme le fermier qui a dit qu'il ne pouvait empêcher, qu'il ne pouvait empêcher les oiseaux de survoler son domaine. Nisavile ule mkulima angesema siweza kuzuiza mandege. Mais il ne pouvait certainement les empêcher de s'y percher. Lakini anaweza kuzizuiza zisifanye huko machicha. Ainsi. Na c'est hiyo, une bonne chose. Ni kitu kizuri. Voyez-vous? Munaona? Vous ne pouvez pas empêcher les pensées de venir. Hawezi kuzuiza wazo sikuje. Ne les entretenez pas. Usizipalilie. Ignorez-les. Usisahau. Tout simplement. Vile tu. Pas du tout. Jésus-Christ est mon sauveur. Yesu Kristo ni mwokozi wangu. Tout m'appartient. Yote ni yangu. Avec Dieu. Pamoja na Mungu. Et je vais les garder. Na mimi napenda ni je vais en rendre témoignage. Mimi napenda ni shuhudie. Et Dieu ne peut pas ne peut vous bénir na Mungu hawezi kukubariki que si vous confessez qu'il l'a fait pour vous. Isipokuwa kama tunaikiri ya kwamba alifanya kwa ajili yako. Et Dieu ne peut vous bénir na Mungu hawezi kukubariki que si vous confessez qu'il l'a fait. Isipokuwa kama unakiri ya kwamba alifanya kwa ajili yako. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Yeye ni kuhani mkuu wa kukiri kwetu. Est-ce juste? Je ni kweli? Hébreux 3.
Il a dit qu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. Il ne peut le faire pour nous que si nous l'acceptons, le croyons et le confessons. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Frère Branham dit, c'est dommage de voir que chaque chrétien se réfère aux frères de l'Ancien Testament. Nous élevons des gens comme Élie, comme Elia, comme Moïse, comme Moussa, comme Enoch, comme Inoki, comme Manok, comme Manok, comme Daniel dont nous parlons, comme Daniel dont nous parlons, Shadrach, Meshach, Abednego, Shadrach, Meshach, Abednego. Alors qu'ils n'avaient pas ce que nous avons. Japo wale watu wote hawakuwa na kile ambacho tuko nacho leo. Ils n'avaient pas ce que nous avons. Hawakuwa na kile ambacho tuko nacho. Ah pasteur, est-ce que c'est vrai? Ah mchungaji, je ni kweli? Le fondement fondamental pour la foi. Mi misingi ya kimisingi kwa ajili ya imani. La dernière. Ndio msemo wa mwisho. Ah. On a déversé des choses aujourd'hui. Leo tulimwaga mambo mengi sana. 23. Makumi mbili na tatu. Et vous êtes la lumière du monde. Na nyinyi ni nuru ya ulimwengu. J'aimerais que chacun dise et je suis la lumière du monde. Ça change les choses. Quand tu dis badilishaka unapojisema wewe. Ah. Une ville située sur une montagne. Mmoja mwana patikana juu ya mlima. Qui ne peut être cachée. Yenye hawezi kufichwa. Et nous. Na sisi. Hallelujah. Amen. Là c'était le soir. Nous ce matin. Jioni. Sisi leo asubuhi. Nous devrions avoir honte de nous-mêmes. Tunapaswa jisikilia haya sisi wenyewe. Et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu. Na kukiri kwa uadilifu kabisa kustokuamini yetu mbele za Mungu. Na tumuombe atusamehe. De la manière dont nous le représentons dans cette vie. Kunamna tuko tunamwakilisha ndani ya maisha. Il compte sur nous. Yeye anatutegemea. Les gens de l'Ancien Testament watu wa agano la kale n'avaient pas cette présence. Hawakukua na hii uwepo. Frère, ndugu, quand vous regardez cette lumière là, munapotizama hiyo nuru hapo juu, au-dessus de cet homme là, juu ya huyo mtu, cette forme aérodynamique, hiyo umbo hiyo aérodynamique, ce véhicule de Dieu, hiyo gari ya Mungu. Qu'est-ce qui passe par votre cœur? Dieu qui se laisse prendre en photo. Et vous mettez dans vos maisons. Sur vos profils. Sur vos profils. Mais cela ne vous réveille pas. Lakini ile haiwaamshe. Les gens de l'Ancien Testament. Watu wa agano la kale. N'avaient pas cette présence. Hawakukua na hii uwepo. Vous n'en êtes pas conscient. Na muzamirike nayo. Parfois vous vous référez à Élie. Mara munaangalilia njo ku Elia. À Moïse. Musa. Et à ces grands. Na kwa wale wakuu. À ces gens. Kwa wale watu. Moïse. Musa. Élie. Elia. Et ces hommes-là. Na wale watu. C'étaient des grands hommes. Walikuwa ni watu wakuu. Ordonnés de Dieu. Waliotumwa na Mungu. Lakini. Ils n'avaient pas cependant pas le privilège que vous. Vous avez. Hawakukua na ile majaliwa ambayo nyinyi mko nayo. Elie, qui a amené le feu? Ambali shushaka moto. Moïse, Musa, qui a créé les grenouilles et les mouches? Ma il n'avait pas ce que tu as maintenant. Hakukua kana kile ambacho uko nacho hapa sasa. Aya, ya. Il n'avait pas ce privilège. Hakukua kana imajaliwa. Il ne leur a pas été donné la puissance d'accomplir. Comme vous en avez reçu. Chacun. Kila mmoja wenu. Kila mmoja wenu. Qui est en Christ. Ambaye yuko ndani ya Kristo. Est-ce qu'on a dit pasteur David? Je balisema mchungaji David. Chacun de vous. Balisema kila mmoja wenu ambaye yuko ndani ya Kristo. En effet. Parce que hiyo. Ils ont vu d'avance ce jour. Walionaka mbele ya wakati hizi siku za leo. Ils l'ont salué. Na wakaisalimia. Ils l'ont cru. Na wakaiamini. Et ils attendaient la venue bien avant. Na walikuwa wanajingojelea kwa ujio huko mbele kabisa. Wala mbona unaziya Daniel? Jumani waliambia Danieli. Repose-toi. Pumuzika. Tu ne comprendras pas ces choses. Hautaelewa hii mambo. À la fin. Kumwisho. Il y aura William Branham. Utakuwa William Branham. Ceux qui l'écouteront. Watakao msikiliza. Feront des exploits. Watafanya mambo ya ajabu. Hey. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Asante, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Ils l'ont salué.
Ils l'ont cru et ils attendaient la venue bien avant. Et maintenant nous vivons en plein dedans. Et nous en avons peur. Voyez-vous? Quel dommage. Quel dommage. Allons nous lever. Tout à Shimama. Ne pense à rien d'autre qu'à Jésus. Oui, t'as fait carré tout coussu, Jésus. Oublie. Sahau. Le langage du diable. Sahau ma semi en chétani. Tu n'es pas faible. Wewe haukum dhaif. Tu n'es pas une poule mouillée. Hauko kuku ya kulobana. Tes faiblesses ont été englouties dans le sang. Ma dhaifu yako ilizamishwa ndani ya damu ya Yesu. Tous tes péchés sont pardonnés. Na zambi zako zote zimesamehewa. Tu étais malade, tu es déjà guéri. Ulikuwa mgonjwa, ushapona sasa. Jésus l'a déjà fait. Yesu alishaifanya. Crois seulement. Amini tu. Tout est possible à celui yote qui croit. Yawezekana kwa yule ambaye anaamini. Tout est possible à celui qui croit. Yote yawezekana kwa yule ambaye anaamini. Cet ange est ici. Yule malaika iko hapa. Je vous dis la vérité. Ninawaambia ukweli. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Je kuna mtu ambaye muona? Quelqu'un qui a la vision, est-ce qu'il a vu cet ange? Kuna kama maono. Kumenya leo yule malaika mlikuwa mzungumza. Ne pas peur si vous l'avez vu. Usiogope kama ulimuona inua mkono. Le même ange. Ule malaika. Il est ici. Iko hapa. Le frère Bertin l'a vu. Ndugu Bertin alimuona. Ce n'est pas une illusion. Haiko mafikara pana. C'est la vérité. Ni ukweli. Si vous croyez, vous verrez. Kama munaamini tu mutaona. Même l'impossible. Hata lisilowezekana. Deviendra réel. Litakuwa bayana. Crois seulement. Wewe amini tu. Ce grand médecin fait le tour de salle. Huyo mganga mkuu anafanya mzunguko wa chumba. Il vous scanne et il vous guérit. Anawa scanne na anawaponyesha. L'impossible est fondu comme une glace sur une plate. Lisilowezekana linayayuka sa vile barafu kwenye sahani ya moto. Et même vos enfants. Hata watoto wenu. Dieu vous les donne. Mungu anawapatia nao. Comme il les avait donné à Tirwhite. C'est le Tirwhite. Même message. C'est le même ujumbe. Dieu. C'est le même ange. Ni ule ule malaika. Toi seulement. Oui, amini tu. Tu verras la gloire de Dieu. Utaona utukufu wa Mungu. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui. C'est lui qui l'a fait. Nous donnons la gloire au Seigneur Jésus. C'est lui qui l'a fait par amour. Nous donnons la gloire au Seigneur, Seigneur Jésus, c'est lui qui l'a fait. Nous donnons la gloire au Seigneur, Jésus. Dis-lui ce que tu veux.